Salut les amis, je suis Clément, bienvenue dans ce nouvel épisode d'HCFR, le podcast jeux vidéo. Je suis accompagné de Benji. Salut les gars. Killer Seven. Salut. Et Umaguma. Salut. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point actualité constructeur puisque ça bouge pas mal ces derniers temps. Avant de vous parler des jeux auxquels on a pu jouer, on a eu pour la plupart un peu plus de temps qu'à l'accoutumée parce que voilà... une petite grippe, c'est empressé d'envahir le monde. Voilà, et puis on finira par tout ce qui est un peu hors jeu, des choses sympathiques qu'on a vues sur Netflix ou autre, faute d'avoir les cinémas ouverts ces derniers temps. C'est parti. Allez, on commence tout de suite par l'actualité constructeur. Effectivement, les deux grands pontes du hardcore gaming. Donc nous montre les muscles toujours un peu plus avec d'un côté Microsoft qui a quand même largement bien présenté sa console et puis de l'autre Sony qui pour le moment ne nous a présenté que sa manette. Ah non pas que la manette hein. Ouais enfin bon on a quelques éléments, le logo mais... aussi hein. Ouais le logo voilà. Voilà et donc pour une console qui est censée sortir dans 6 mois quoi ou 6 ou 7 mois censée on va dire hein. Voilà parce que donc effectivement les dernières rumeurs font un peu trembler l'univers du gaming, notamment sur la disponibilité et le prix de la console qui semble être largement vu à l'os. Voilà. Du coup, je vais peut-être laisser Benoît en parler rapidement. Ouais, pas de problème. Donc, comme tu disais, en fait, il y a Microsoft qui a annoncé, qui a surtout présenté, fait présenter, en fait, notamment à Digital Foundry et d'autres gros sites qui font l'actualité sur le jeu vidéo américain, et notamment, donc, la Xbox Series X, et non pas Xbox One Series X, ou je sais pas quoi, oui. J'ai toujours du mal avec ce nom, c'est pas possible. Donc là, franchement, quand tu regardes, au début, on avait un peu peur que ça soit juste, un gros cube, parce que c'est ça, ça ressemble en fait à une mini tour PC. Un grippin ou un mini réfrigérateur ou un petit. Ils s'en mettent plus question de design, moi je trouve. Mais... Ouais, tu sais, c'est la force américaine, tu vois, c'est un gros cube, ouais, voilà, on est bien quoi. On montre qu'on a une paire. Moi je la trouve pas manchée en vrai cette console. Au début, moi je la trouvais, je trouvais que ça allait, puis je l'ai regardé plusieurs fois à nouveau et je me suis dit, bon, avec. Je la trouve un peu moche. Bah, je trouve surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir de recherche esthétique, quoi. Dans la continuité, je pense que c'est dans la continuité ce qu'ils ont fait jusqu'à avec la Xbox One X. Ouais, voilà. Un truc sobre qui s'intègre bien, entre guillemets, dans ton meuble télé. Mais le problème aussi, c'est que tu veux l'intégrer, mais vu qu'elle est quand même assez costaud, quoi, au niveau de la taille et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être devoir revoir, en fait, soit racheter un meuble télé, soit la poser derrière l'installation. Ouais. Moi, j'aime bien cette configuration un peu monolithique là. Et puis tout ça, c'est un peu dans la recherche aussi, je pense, d'efficacité pour refroidissement. J'avais vu les schémas, c'était inspiré du parpaing polonais au départ, je crois. Non, mais comme tu le dis plus sérieusement, effectivement, c'est la chaleur en fait qui elle t'aspire le froid. C'est exactement comme dans une tour PC en gros, quoi. Le froid qui arrive vers le bas, il est envoyé directement vers le haut et tout. Non, mais je rigole, mais effectivement, c'est bien pensé. C'est parce que rappelez-vous, j'imagine que Guillaume, toi aussi, t'as une PS4 Pro. C'est abusé en fait. Pourtant, j'ai pas un meuble fermé et tout ça, mais quand tu lances certains jeux, t'as l'impression que la console elle va s'envoler, quoi. Donc, effectivement, parfois elle chauffait pas mal. Mais la PS4 classique, ça arrive qu'elle chauffe. Ils ont beaucoup appris Microsoft de leur expérience passée, puisque souvenez-vous, la Xbox 360 première génération nous faisait le fameux rond rouge de la mort. Voilà. Et donc, je pense qu'ils ont appris de leur leçon, et maintenant, quand ils lancent des nouveaux produits comme ça, ils recherchent d'abord avant tout l'efficacité énergétique. Ouais. Mm-hmm. Et tu sais que j'étais assez étonné d'apprendre parce que je suis quand même vachement Phil Spencer là qui parle beaucoup quand même, hein. Il a une grande gueule, mais c'est bien pour nous. Et du coup, lui en fait, il parlait justement de l'équipe qui avait designé en fait la console d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue hardware purement, voilà. Et en fait, c'est la même équipe qui a fait aussi la première Xbox One, contrairement à ce qu'on pouvait penser, tu vois. C'est pas une équipe totalement différente parce que quand tu vois en fait la Xbox One de base, qu'il faut dire ce qu'il est, hein. C'était vachement TV, puis la console, bon, elle avait un peu de mal par rapport à la PS4 et par rapport à la, comment ça s'appelle,
À la Xbox One, à la Xbox One X ou la nouvelle la Xbox Series X, c'est juste en fait que bah les mecs bah ils ont eu le temps de faire une console comme ils voulaient, ils ont le budget nécessaire et puis voilà ça. Ouais, puis ils ont aussi l'avantage d'avoir aujourd'hui des composants qui sont quand même vraiment extrêmement puissants et qui dépassent même je pense largement maintenant les capacités minimum nécessaires pour faire tourner des jeux en 4K etc. C'est vrai que le AMD a fait d'énormes efforts hein, sur les processeurs. Enfin, voilà, aujourd'hui, ils surclassent largement Intel en termes de rapport qualité-prix. Et puis au-delà de ça, tout ce qui est aussi mémoire, que ce soit la mémoire vive avec la DDR6 et puis surtout le SSD qui maintenant prend le dessus, et que ce soit sur l'un comme sur l'autre, on a des bandes passantes de ouf là, ouais. Voilà, qui réduisent considérablement le temps de chargement des jeux. Ouais. Transition toute faite sur le SSD là, je crois, le SSD de la PS5. La grosse force, ouais, si Benoît, tu veux en parler peut-être toi. Bah c'est la grosse différence avec Microsoft pour l'instant. Hein. Microsoft base surtout vivement sur la puissance brute, quelque chose qui a l'air vachement très très puissant. Bon, on va pas parler de teraflop de machin, mais ça a l'air d'être une machine qui est extrêmement puissante, extrêmement bien pensée. Là où Sony en fait revient à quelque chose d'un peu plus différent. D'un peu plus, pas révolutionnaire, parce que j'aime pas utiliser ce mot, je trouve ça. Mais ils ont l'air d'avoir implanté en fait un SSD de toute dernière génération qui est visiblement même pas encore disponible sur PC, une première quand même, qui a des performances qui ont l'air d'être carrément en fait du double de celle de la Xbox Series X. Et d'après ce que des retours qu'on peut lire un peu partout sur le net, les développeurs sont extrêmement satisfaits d'une part du remplacement du vieux disque dur qu'il y avait jusqu'à maintenant sur toutes les consoles par un SSD classique, et celui de Sony a l'air d'être vraiment, vraiment bien foutu, et pas que pour tout ce qui est chargement de jeu et tout ça, tu vois. Donc, alors, tu peux m'expliquer précisément pourquoi le SSD il était différent, parce que j'avais pas trop bien saisi là quand on en avait parlé, ce qu'il y avait de différent avec les SSD que t'as dans un PC. Alors, c'est tout simplement qui toute dernière génération, hein, c'est quelque chose qui vraiment qui a été créé par les ingénieurs en fait de Sony avec conjointement avec je sais plus quelle boîte et tout ça, et il a des performances qui sont je crois que c'est du 4 gigaoctets par seconde, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire en compressé, c'est un truc de malade. Ouais, et moi je me méfie un peu de tout ça, enfin c'est pas que je me méfie, c'est que c'est bien, c'est toutes ces performances, c'est génial, etc. Mais en fait, ce qu'on oublie surtout, la grosse problématique, c'est la capacité totale, l'espace total disponible, parce qu'en fait, le problème, c'est que les jeux qui vont arriver vont être des jeux qui vont certainement avoisiner le 100 gigas d'espace. Si c'est pour avoir un SSD de 1 teraoctet et pouvoir stocker 8 ou 9 jeux sur ton truc, c'est à chier. C'est parce que je pense que en fait eux, c'est un de leurs arguments. Mais moi je suis d'accord, je trouve que c'est vraiment peu de place, hein, parce que surtout avec les prochains jeux, vu le poids qu'ils feront sûrement, c'est qu'en fait je pense que eux, leur argument, c'est de dire que vu qu'on peut installer, désinstaller plusieurs jeux et tout, etc., c'est que ça va très vite, donc c'est pas grave de les réinstaller. Mais effectivement, ouais, ça pose question. On verra bien de toute façon. Moi je me méfie parce que c'est toujours pareil, hein. Si vous avez une grosse connexion fibre optique et que vous désinstallez le jeu puis que vous le réinstallez 3 mois après pour mettre à jour et compagnie, que la mise à jour qui va faire 20 ou 25 gigaoctets va se télécharger en 5 minutes, bon pourquoi pas. Mais enfin, si c'est pour à chaque fois désinstaller puis réinstaller et devoir télécharger et compagnie, merci quoi. Et en plus, c'est un impact environnemental aussi. Hein. Ouais. Moi, je vous le dis, j'ai une PS4 Pro sur laquelle j'ai mis un disque dur de 2 teraoctets. C'est un minimum pour moi aujourd'hui, le 2 teraoctets. Hein. Vraiment, le minimum du minimum. Hein. Bah, c'est vrai que ça va vite. Hein. Quand tu vois la taille des jeux maintenant, c'est vite fait d'avoir saturé ton disque. Ouais. Sauf jouer à des jeux Super Meat Boy et compagnie, où là, tu peux en acheter en SSD 2000, il n'y a pas de souci. Mais enfin, bon, quand même. C'est la différence aussi entre celui de le SSD en fait de Microsoft et celui de Sony. Sony visiblement en fait tu pourras rajouter en fait ton propre SSD comme sur la PS4 avec le disque dur actuel. Sûrement tu pourras démonter et puis rajouter donc un petit SSD on va dire standard mais qui répond quand même à certaines spécificités minimales quoi. C'est pas on va dire ça sur la PS4 t'as juste à acheter en gros un disque dur, tu le branches et puis basta quoi. Tu le mets à la place de l'ancien et puis basta. Sur la PS5, ça sera quand même, il faudra s'assurer en fait d'avoir un SSD validé par Sony et non pas n'importe quel SSD pas de base. Quoi. Ta garantie, quoi. C'est ça. Bah, c'est même pas une question de garantie, c'est une question en fait de possibilité technique quoi. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel SSD maintenant que t'as dans le commerce, tu vas à la Fnac, tu demandes un SSD, il aura pas du tout les mêmes performances que celui qui sera intégré à la PS4 quoi. Et donc du coup là-dessus Microsoft a fait un choix qui encore une fois c'est
voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est ce sera un truc propriétaire, un format encore une fois propriétaire, mais que ils ont un accord, je crois que c'est avec Seagate, qui avec un disque dur et une petite cartouche quoi, en gros, que tu pourras insérer pour ajouter des comment s'appelle, de l'espace de stockage, ouais, tout simplement quoi. D'accord. Bon, et donc niveau actualité PlayStation, puisqu'effectivement c'est surtout ça dont on a entendu parler récemment, puisque Xbox a quand même largement montré ses cartes. Effectivement, il y a cette manette, bon, qui on va pas se cacher, hein, ressemble quand même beaucoup à une manette de Xbox en termes de forme, si ce n'est qu'on retrouve les deux joysticks symétriques, alors que sur l'Xbox ils sont asymétriques. Que dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus, alors que c'est parce que là, moi, quand je regarde les images, elles ressemblent grosso modo à la précédente. Si ce n'est quoi, elle a son retour haptique quand même. Ça, c'est une nouveauté. Et puis aussi, c'est la première. Je trouve ils ont changé le nom. Maintenant, elle s'appelle DualSense au lieu de DualShock. Il faut quand même noter. Non, mais c'est la première fois. Ça, qu'il faut quand même le noter. C'est la première fois que Sony quand même quitte son modèle classique ancré comme un moule dans lequel ils mettent toutes leurs manettes depuis 20 ans. C'est quand même la première fois. Il y a deux couleurs maintenant. Deux couleurs, exceptionnelles. Non, mais c'est quand même un changement. Après, oui, ils vont pas révolutionner leur manette. Si on avait eu une manette GameCube 2 d'un coup, ça aurait été plus surprenant. C'est ça de retour haptique, là. Parce que du coup, moi, j'ai regardé ça de loin. J'ai vu ça. Je me suis dit, mais c'est bien une technologie tactile, c'est ça, qui répond différemment quand tu touches ton. Je peux laisser Benoît expliquer ça. Moi, j'ai du mal à le concevoir. Donc, j'ai pas essayé. De toute façon, franchement, pour l'instant, personne ne peut, à part ceux qui ont eu la manette en main, ne pourront dire ce que ça fait vraiment. Parce que l'haptique, vous en avez dans votre téléphone, hein, dans l'haptique. Téléphone portable, c'est le retour. C'est le premier truc. C'est le truc, par exemple, quand t'écris un SMS ou un truc comme ça, c'est le premier truc que je désactive, moi, c'est le retour, en fait, qui vibre, la petite vibration et tout ça. Moi, j'aime bien. De l'haptique, t'en as aussi, en fait, dans la manette de Xbox One, hein, mais c'est pareil, c'est pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop de détails par rapport à ça, tu vois. C'est-à-dire que t'en as dans la manette de Xbox One, t'en as même dans la manette de la Switch, hein, ils ont aussi leur fameuse vibration HD. Vibration là. HD, c'est la même chose. Aussi, tu vois. Tant qu'on n'aura pas la manette dans la main, on ne pourra pas savoir vraiment. Puis encore une fois, les développeurs, il faut voir qu'est-ce qu'eux, ils vont en faire derrière. C'est toujours le même délire. Ils avaient sorti la PS4, la manette, la DualShock 4, avec ce fameux touchpad au milieu de la manette, résultat, 5 ans plus tard, moi j'ai pas vu énormément de jeux qui l'utilisaient vraiment correctement. Pour l'interface de la console, c'était pratique. Pour écrire des messages. Oui, mais ça, voilà, mais si tu veux, dans les jeux en eux-mêmes, à mon avis, en dehors de. Non, dans les jeux en eux-mêmes non plus. Pour écrire des messages, non, tu disais. Je comprends pas. Ah oui, tu déplaces ton truc à l'écran sur le clavier et ça marche bien, quoi. Non, ouais, ça, de manière générale. Tous ces petits gadgets là qui font waouh, nouvelle technologie et compagnie, ça sera certainement utilisé que dans de rares cas de jeux développés par des studios en interne. Et franchement, bon voilà, c'est bien encore. Affiché, mais... Et pour revenir justement au SSD, c'est ce qu'il faut voir aussi, encore une fois, c'est que c'est bien gentil de la part de Sony d'avoir un super SSD de la mort, mais les développeurs, notamment les développeurs tiers, ils vont devoir se baser en fait sur l'élément plus faible, entre guillemets. Ça sera malheureusement soit la version PC, les jeux, je sais pas comment ils vont faire honnêtement, ça m'interroge vraiment par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont imposer directement, par exemple, le prochain Battlefield ou autre jeu, en fait, l'utilisation d'un SSD d'une certaine vitesse pour pouvoir avoir la même chose que sur Xbox Series X et PS5, ou est-ce que maintenant ils vont quand même traîner ce disque dur classique comme un boulet, je sais pas honnêtement. C'est pour ça que Benoît, que j'avais pas compris exactement, parce que du coup comme cette tech elle arrivait, que j'avais cru comprendre que c'était un truc propriétaire, enfin qu'il y avait un brevet qui était déposé, que ça appartenait à Sony, c'est les concurrents là sur PC, ils vont finir par avoir aussi ce type de disque entre guillemets du futur. Il y en a déjà en fait, en gros, mais ils ont pas encore des performances aussi pointues que celui de la PS4, la PS5 pardon. Alors après, la PS5 elle est pas encore sortie, hein, donc d'ici à ce qu'elle sorte, j'imagine qu'on aura déjà des SSD aussi performants que celui de la PS5. Mais encore une fois, voilà, à voir comment ça va se passer dans le futur par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont vraiment utiliser ce fameux SSD, que ce soit Sony ou Microsoft, hein, ou alors est-ce que ça sera vraiment juste les développeurs internes de chaque constructeur qui vont l'utiliser au maximum de leur capacité, et ça sera peut-être pas le cas en fait. Il pourrait franchement y avoir un gap énorme entre les jeux développés en interne et les jeux développés par les éditeurs, hein. Bon, honnêtement, je pense que là-dessus ça peut être vraiment intéressant. Mais c'est déjà un peu le cas, hein, en vrai. Ouais, mais là encore plus que d'habitude, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est-à-dire quand tu vois en fait ce que fait déjà par exemple un Naughty Dog avec Uncharted 4 ou un The Last of Us 2 et tout ça.
God of War, un truc comme ça. God of War, c'est quand même un jeu magnifique. Quand ils vont avoir une console qui te fait du 10 teraflop avec un SSD de la mort, du voilà, ray tracing. Quoi. Du ray tracing, bah, ça pareil. Tu vois, le ray tracing, ils en ont parlé, mais on sait pas trop, ils en ont pas, voilà. C'est le gros problème de la présentation qu'a eu Sony. Ah, mais c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'on parle sur du vide, en vrai. Je sais pas. Ouais, ouais. Pour l'instant, voilà, ils ont balancé leur truc. Rien, voilà. Et donc moi, c'est pour ça que je vous dis à mon avis ce qui va se passer. Hein. On peut supputer, hein, pour le coup. C'est vu la situation actuelle du monde, etc., etc. On peut peut-être plancher sur un report de la sortie de la PlayStation 5 pour le printemps 2021. Auquel cas, là, on serait peut-être. De manière générale plus près sur le pouvoir d'achat ou sur même le développement des jeux, parce que là clairement c'est une période très compliquée pour les développeurs parce qu'ils ont mis à l'arrêt toute leur production, hein, faut être clair, hein, les jeux si on veut que des jeux soient prêts avant la fin de l'année et qu'il y a eu entre-temps un mois d'arrêt en production. Voilà quoi. C'est une période compliquée, mais après il faut aussi voir que Sony, ça fait 2 ans qu'ils annoncent plus rien quasiment, à part 3 ans, je annoncé, crois, ouais, même 3 ans. À mon avis, enfin, j'ose espérer qu'en fait ils vont avoir un lancement qui est solide, mais surtout, mais c'est pour ça. Microsoft, en fait, eux, ils ont maintenu, enfin, dans les dernières déclarations, à moins que j'en ai loupé une, qu'ils comptaient toujours sortir leur Xbox avant les fêtes de fin d'année. Parce que ce que j'allais dire, c'est bah oui, c'est pour les actionnaires, il s'agit de les rassurer. Ça, et en ce moment, comme t'as toutes les bourses qui sont en train de s'effondrer, il faut maintenir un intérêt pour les actionnaires et pas qu'ils s'en aillent, en leur disant, bah écoutez, voilà, les consoles, elles vont être maintenues là. Après, en réalité, faut être objectif sur quelque chose, c'est que du coup, là, ils ont pas la main sur certains éléments, et que si t'as les chaînes de production qui sont à l'arrêt, ou qu'un pays refuse même certaines importations, ou C'est très compliqué. Ils se retrouvent dans une situation où leur console, là, on n'est pas juste dans le cadre d'un jeu où tu peux le télécharger et avoir la même version. Non, c'est sûr, mais Microsoft avait l'air de dire qu'eux, ils étaient pas, c'est de la parlotte, mais ils avaient l'air de dire qu'ils étaient confiants dans leur chaîne de production pour sortir la console à temps, et ils l'ont maintenu, même Phil Spencer l'a dit, ils ont dit, elle sortira avant la fin de l'année. Quand Sony n'a rien dit, c'est juste que c'est possible, Sony, que ça arrive. Aussi, hein. Sony, ils ont présenté leur manette, ils ont fait ça aussi. Hein. J'ai du mal à imaginer Sony laisser Microsoft sortir sa Xbox avant la fin de l'année et puis eux avoir 4 mois de retard pour la nouvelle génération, c'est quand même un. Non, mais ça c'est évident. Quand même risqué. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se suivront. Même, hein. Ils se suivront, c'est sûr. Comme ils l'ont toujours fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se dire quand même que cette épidémie de coronavirus, ça remet quand même en cause beaucoup de choses et que, en fait, au-delà des problèmes de production, d'approvisionnement de pièces, de choses comme ça, au-delà de tous les problèmes de développement de jeux, logiciels, etc., etc., il y a aussi des problèmes concrets de pouvoir d'achat qui vont se poser, parce que nous, on a la chance en Europe et particulièrement en France d'avoir un système qui sauvegarde le, entre guillemets, au moins à minima, mais qui sauvegarde les salaires, ce qui est pas le cas du tout aux États-Unis, où déjà on va s'être massivement endetté pour pouvoir se soigner. Endettement pour les soins, endettement aussi, là, je sais pas si t'as vu les rednecks qui sortent avec des armes parce qu'ils veulent se lever contre les mesures de confinement. Donc, les priorités vont peut-être pas être les mêmes en fin d'année. Clairement, sur Noël, c'est sûr, ça. Sachant qu'en plus, globalement, même si on sait que les salons, c'était plus trop la panacée, en tout cas pour Sony, qui avait annulé sa venue à l'E3, de toute manière, qui a enterré l'E3, hein, faut être clair. mais de manière générale, la Gamescom, les choses comme ça, c'est salons qui n'auront pas lieu cette année, il faut être clair. Et jusqu'en 2021, t'as dit, Benoît aussi. Ouais, c'est pas toi qui l'as dit, 2021. Voilà. Non, ils vont pas prendre le risque de faire ces salons-là, puisqu'on n'a pas encore de vaccin, donc malheureusement, le virus peut repartir, se redéployer, entre guillemets. Il y a quand même tout un aspect de la communication qui va manquer et qui pourrait vraiment parachever le lancement de ces consoles-là avant la fin de l'année et donc porter un décalage au printemps de l'année prochaine. Voilà, donc dans un an en fait. En tout cas, il faudra qu'ils aient le temps de faire leur communication autour de la console aussi avec des événements dédiés, parce que là, si on leur supprime l'E3 et la Gamescom, ils vont nécessairement faire un truc de côté pour. Bah, ils le feront de toute façon, c'est ce qu'ils ont dit par rapport à l'E3. Spencer, il avait déjà confirmé de toute façon, et puis ils le feront des événements numériques, voilà, dématérialisés, mais c'est directement balancé, comme le fait par exemple Nintendo depuis des années maintenant avec leur Nintendo Direct, mais ils le feront, c'est sûr et certain.
Mais après, pour conclure, moi, je dirais simplement que le grand gagnant dans l'histoire, et je me demande si c'est pas leur faute à la base, c'est pas eux qui ont lancé, c'est Google avec Stadia. Hein, voilà, ben bah non, alors là, tu vois, je veux dire, le grand. Google, le grand gagnant. L'immense gagnant, c'est Nintendo. Et voilà. Laisse-moi tranquille. On dirait des complotistes, tu sais. C'est l'immense gagnant. Je vous dis, Nintendo a créé le coronavirus. Ils sont tranquilles. Pas de SSD machin, pas de ray tracing, pas de processeur Hexa-Core machin compagnie. On s'en bat les pas d'équipe de développement. Donc c'est parce que Nintendo, ils ont compris qu'ils pouvaient enfermer leurs consommateurs comme Apple et ils ont réussi leur technique. Tu prends deux blaireaux que tu mets sur une île, tu fais faire à des gens. Des trucs typiques des Sims des années début des années 2000, ils sont contents, hein, ils passent 4000 heures de jeu dessus et puis tout le monde est ah, bravo. Content. Ben oui, mais hey, regarde la preuve, ça marche, moi le premier j'y joue alors. c'est pas faux. Le con, voilà. Ça va voilà. Profiter. Oui. Bref, on va passer à la partie des jeux dont on a pu jouer et tester, hein, voire même ratisser de long en large et en travers. Et on va commencer évidemment par Resident Evil. Troisième du nom, hein, qui est donc un remake, je pense qu'on peut appeler ça un remake, hein, clairement. Et puis là, ben du coup, mon regard se dirige vers le profil d'Umaguma, hein, qui va s'allumer et rester un bon moment allumé pour nous expliquer son retour passionnel sur ce jeu. C'est ça, donc oui, Resident Evil 3, donc il y a eu droit à son remake, hein, comme Resident Evil 2, il y avait également eu droit l'an dernier, parce qu'il y a peu de temps qui sépare la sortie de ces deux remakes. Le 3 original était sorti en 99 sur PS1, donc là, ça fait à peu près 20 ans d'écart. Donc le nouveau remake a été développé par un studio externe, le studio M2, à ne pas confondre avec le studio M2 qui lui fait des remakes pour Sony. Donc voilà, ce jeu-là qui vient de sortir récemment, que j'attendais beaucoup, et pour lequel j'ai un avis plus mitigé que pour Resident Evil 2. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi, en ne m'égarant pas trop, parce que c'est Resident Evil, c'est ma Madeleine de Proust. Resident Evil 3, j'ai dû le faire, l'original, j'ai dû le faire, je pense, entre 30 et 40 fois, donc je le connais. Sur quel support ? Sur PS1 seulement. D'accord. Donc je le ressors régulièrement pour le refaire. Des tonnes et des tonnes de fois. Ouais, bah il faut dire que l'original, donc ça se passe au niveau du scénario, je vais le faire très très vite fait, hein, parce que bon, voilà. Sans spoil. Sans spoil, ça se passe le même soir que Resident Evil 2, que l'action de Resident Evil 2, et on suit en fait le personnage de Jill Valentine, rescapée de Resident Evil 1, qui doit fuir Raccoon City. Voilà, ça c'est vraiment le départ. Attends, ça se passe le même jour, c'est-à-dire que la meuf, elle a même pas le temps de se poser, de prendre une douche, que bam, elle enchaîne. Quoi. Non, ça se passe pas le même jour que Resident Evil 1, ça se passe le même jour que Resident Evil 2, mais elle est pas dans Resident Evil 2, Jill. Mais en fait, ça se passe à quelques heures de décalage. Putain, je me rappelais même plus, quoi. Je suis complètement largué. C'est Claire et Léon qui sont dans le 2, et dans le 3, du coup, on suit Jill Valentine qui est membre des Stars, avec un autre personnage qui est mis en avant et un peu plus dans ce remake, qui est Carlos, qui fait partie du USBC. De l'UBCS, qui est une unité privée. Moi, je pensais en fait que c'était un mec, en fait, qui avait pas été chez le coiffeur depuis 6 mois environ, sa coupe de cheveux de la mort. Mais heureusement qu'on peut choisir, d'ailleurs. Heureusement que c'est si tu as précommandé le jeu que tu peux choisir. Et vu que je l'avais précommandé, j'ai pu mettre sa coupe de cheveux originale là-bas, oui. T'es sérieux? On est en 2020, monsieur. Ah, c'est vraiment des salauds, parce que je pense qu'ils ont fait exprès. C'est vrai qu'ils lui ont fait une de ses coupes de cheveux. On dirait qu'il a pris une explosion. On dirait qu'il sort de Street Fighter. Mais et les musiques, juste avant que tu commences à parler vraiment en profondeur du jeu, juste pour qu'on en parle, les musiques, elles ont été refaites par rapport... Est-ce qu'on peut remettre les musiques originales comme dans le 2 ou pas? Alors, on ne peut pas remettre les musiques originales, j'allais y venir. Donc ça, c'est un des mauvais points, mais je pensais plutôt commencer par les bons points, puis après partir sur ce qui m'a gêné. Donc aussi pour revenir, donc c'est Jill qui doit quitter la ville, et à ses trousses, et c'est ce qui fait que dans l'original, ça s'appelait Resident Evil 3, avec en sous-titre Nemesis, il y a une créature, un peu à la façon de Mr. X dans Resident Evil 2, qui te suivait partout. Et quand je dis partout, dans l'original, c'était d'un coup, elle pouvait tomber d'un toit, elle te suivait entre les pièces, et son but, c'était de tuer en fait tous les membres des Stars, unité dont fait partie Jill. Donc le 3, en fait, était très anxiogène, parce qu'il pouvait vraiment arriver dans presque n'importe quelle pièce, et il y avait presque une dimension aléatoire à ça. C'était pas toujours scripté. C'est-à-dire, il y avait des passages scriptés, évidemment, mais il y avait des zones où tu te baladais, où tu revenais en arrière, où ils pouvaient apparaître de manière aléatoire. C'est ça. D'un coup, t'entendais pas la musique...
et t'entendais du coup il t'appelle en faisant Stars et tout comme ça avec sa voix grave donc c'est pile à ce moment que tu savais qu'il était là dans le coin. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui n'y est plus, puisque les seules rencontres que tu auras avec lui sont des rencontres scriptées. Bah c'est ça, c'est que maintenant c'est scripté. Mais pour commencer par les bons points, moi je dirais que ce qui saute aux yeux en premier quand on lance le jeu, bah je dirais déjà c'est le bilan technique, et c'est aussi la direction artistique et le bilan technique. C'est un jeu qui vraiment, moi il a pas tout, j'ai une bonne configuration sur mon ordinateur, mais au-delà de ça j'ai pu non, le mec qui a une carte graphique à 1200 balles, tu sais. Non mais j'ai pu regarder aussi des vidéos sur internet de personnes qui avaient des moins bonnes configurations, et j'ai regardé des benchmarks aussi avec d'autres cartes graphiques de moyenne gamme. J'ai pas le détail, mais j'ai quand même regardé par curiosité. Et apparemment, c'est un jeu qui globalement tourne bien et qui est vraiment magnifique. Donc, ils utilisent toujours le même moteur que pour Resident Evil 2, le RE Engine. Et c'est un moteur qui tourne. Je te coupe juste pour faire une toute petite aparté, parce que c'est le seul point que je vais aborder durant le jeu, vu que je l'ai pas encore fait. J'ai juste lancé un tout petit peu, et moi j'ai trouvé, alors tu m'en parleras, tout ce qui est en fait HDR sur la version de Resident Evil 2, moi j'avais pas trouvé ça tip top, les blancs ils étaient un peu trop cramés, enfin bref, alors que là dans le 3 j'ai trouvé que c'était vraiment nickel de A à Z. C'était vraiment méga cool. Enfin, le peu que j'ai joué au jeu, hein, j'ai juste fait l'intro. Ils ont utilisé le même moteur, ils ont peut-être eu le temps de l'améliorer. Ouais, de peaufiner la gestion du HDR. En tout. Alors, en tout cas, je suis complètement d'accord avec Benoît, parce que dans Resident Evil 2 Remake, je m'en souviens, quand j'avais lancé le jeu avec le HDR, j'ai cru que mon écran avait eu un problème. Parce qu'en fait, les noirs n'étaient plus noirs, c'était un peu gris, bleuâtre, comme ça. C'était même dans l'obscurité, c'était jamais vraiment sombre. Il y avait quelque chose qui clochait clairement dans les contrastes. Du coup, j'avais perdu beaucoup de temps dans les réglages de mon écran. Moi, je l'avais désactivé. Quelque chose de potable. Ouais, j'aurais juste dû le désactiver, mais je sais pas pourquoi j'avais pas voulu le désactiver. Donc, bref. Et là, le 3, c'était une appréhension au niveau technique que j'avais en le lançant. Puis ça, excellente surprise, effectivement, ce problème est réglé. Et ça fait plaisir. Et ça rend super bien, hein. Moi je l'ai vu, hein. Quand tu désactives le HDR et quand tu le remets, putain vache, enfin quand t'as une bonne télé, ça se voit direct. Ouais. Hein. Et puis dans les stats clairement. Aussi, dans les critères des graphismes qu'on peut ajuster, il y en a quand même un paquet, quoi. C'est vraiment bien fichu. Il t'explique en plus que tu peux modifier. Un exemple illustré, si tu sais pas. C'est ça. Ouais, c'est pédagogique. Pour une fois, c'est pas juste une option ou avec un nom obscur où t'es pas forcément censé savoir ce que tel acronyme. Là, c'est vraiment très très bien fait. Tu peux vraiment customiser selon tes besoins. Et, moi, j'ai PC, qu'une 2070 sur PC. Et ça tournait très bien. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent sur PC avec une carte graphique intégrée, Arthur. Hein, donc t'as des oui, non, mais je rigole. Un beau bébé, hein. Ça vaut quoi. C'est pas ça. Que vous avez pas vu les vous avez pas vu les guillemets que j'ai fait quand j'ai parlé de 2070. C'est parce qu'on n'a pas la vidéo, c'est pour ça. C'est pour ça. Bon, et puis pour reprendre, je dirais que un des plus gros points forts de ce remake, je dirais que c'est un exemple de rythme. Et c'est le fait que ce soit un exemple de rythme, c'est-à-dire que ça amène à, si vous avez regardé un peu sur internet, un débat qu'il y a eu sur la durée de vie. Et effectivement, dans ce remake, le jeu est court. Les Resident Evil sont toujours courts, mais je dirais que celui-ci, il est un peu plus que d'habitude. D'autant plus que moi, au début, quand on lance le jeu, il y a trois niveaux de difficulté, facile, normal et puis hardcore. Hardcore, c'est difficile. Clairement, je l'ai pas fait en normal. Mais je l'ai fait en hardcore tout de suite. Et en hardcore, c'est pas hardcore. Hardcore, c'est l'équivalent d'un mode normal. Et je dis pas ça parce que je suis habitué à la série, parce que ça a été extrêmement modernisé. Maintenant, c'est à la troisième personne, etc. Mais vous aurez toujours des munitions, même en hardcore, même en tuant quasiment tout le monde. Ça, c'est une grosse différence avec le deuxième. Et vu que c'est... Les sauvegardes aussi, on n'est plus limité en sauvegarde, mais ça, c'était déjà le cas dans Resident Evil 2 si on jouait en normal. Là, moi, ouais, j'ai mais pas c'était joué en pas, normal. C'était mais... pas que ça, c'est que là, bah, justement, là, contrairement au 2, où quand on jouait au mode de difficulté le plus élevé proposé, t'avais les sauvegardes qui se faisaient avec des rubans encreurs dans les machines et à écrire. Les rubans encreurs, ils étaient pas illimités, même si globalement, ça allait. Du coup, il y avait toujours le stress de dire, quand tu te déplaces d'un point A à un point B dans le manoir, que si tu faisais une mauvaise rencontre et que tu mourais, bah, fallait tout recommencer. Aller passer par tel endroit. Là, dans celui-là, que tu sois en mode difficile ou non, si tu meurs, déjà, il n'y a pas de ruban encreur, donc il n'y a pas de limite de sauvegarde, donc il n'y a pas ce même stress. Et en plus des sauvegardes que tu vas faire sur les machines à écrire, il y a des checkpoints automatiques qui participent aussi au rythme du jeu. Donc c'est ça ce qui est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est ça qu'en fait, au final, j'aurais pensé que ce point que tu soulèves m'aurait dérangé à la base quand le jeu a commencé. Mais au final, il y a une cohérence avec ce qu'essaye de faire ce remake, c'est-à-dire de l'action non-stop, un jeu vraiment extrêmement rythmé. On s'ennuie pas. Quasiment, on s'ennuie pas une seule seconde. C'est pour ça, au final, c'est un jeu qui est court, mais intense.
plutôt qu'un jeu qui essaierait de traîner en longueur pour rien. Il n'y a pas d'effet redite, il n'y a pas d'énigme. Voilà, il n'y a pas de redite, il n'y a quasiment pas d'alerte. C'est les plus simples, les énigmes que tu puisses avoir de Resident Evil, c'est des coffres forts, deux, trois trucs comme ça, mais c'est pas non plus comme le 2 où tu as un rythme plus posé, où tu restes plus longtemps au même endroit, avec des allers-retours et compagnie. Mais petite question, ouais. Juste, on finit après avec ça. Il y a des modes que tu débloques après avoir terminé le jeu en mode difficile, si je dis pas de bêtises. Ça correspond à quoi, ces modes de difficulté? Alors du coup, la première fois que je l'ai fait en hardcore, et quand tu le finis une première fois, tu débloques un quatrième mode, dont je viens d'oublier le nom, mais bref, c'est comme un mode très difficile, et en fait, qui lui rajoute, change les associations d'ennemis que tu peux croiser, les rend plus forts et plus agressifs, enlève des munitions. Et en fait, j'ai pris beaucoup plus de plaisir quand j'ai fait le jeu deux fois, ce remake. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir ma deuxième partie, parce que j'ai vraiment là, pour le coup, dû plus gérer mes munitions, faire attention aux ennemis. Il y en a beaucoup qui, du coup, te tuent en un coup, voire parfois en deux coups, mais souvent en un coup. Donc, c'est beaucoup plus stressant. Les zombies ont plus tendance à courir. Ils les ont placés à des endroits sacrément retors. Donc c'est et puis ça, tu me disais qu'ils leur ont mis une nouvelle gamme de coups et d'attaques. Ouais, aussi ils ont des nouvelles il y en a. C'est pas mal, c'est chouette. Ça veut dire qu'ils sont quand même embêtés à développer ça sur les zombies, mais j'ai remarqué ça principalement sur le Nemesis dans ses combats de boss, et du coup ils lui mettent des nouvelles attaques, des nouveaux patterns. Donc c'est étonnant pour un mode de difficulté juste supplémentaire, ça. Ouais, sachant que 95% des gens ne le feront pas, donc c'est étonnant, quoi. C'est quand même effectivement. Et si tu débloques, si tu termines ce quatrième mode, t'en as un cinquième que je me suis gardé pour plus tard, mais celui-ci a l'air vraiment, vraiment, vraiment hardcore. C'est l'équivalent d'un mode impossible. Où là, par contre, apparemment, tous les ennemis courent, ils sont tous plus forts. T'as vraiment moins de munitions. Là, pour le coup, tu peux sauvegarder que aux machines à écrire. Et voilà, c'est ça. Celui-ci a l'air vraiment, vraiment. Si les zombies te mordent, en fait, dans le jeu, t'as vraiment le coronavirus pour de vrai dans la vraie vie. Ouais, là, tu meurs d'un coup. Donc voilà, bon, et puis pour continuer sur le jeu, maintenant on va passer du coup au défaut. Et il y a pas d'autres points positifs en dehors de. En point positif, je dirais c'est ça. Je dirais que c'est un exemple de rythme. Je dirais que vu qu'ils ont réussi à mieux maîtriser du coup ce fameux rythme, il y a quelque chose de plus cohérent dans la fuite en avant de Jill de la ville, dans le sens que les choses s'enchaînent mieux. Il y a moins ce côté jeu vidéo, entre guillemets, qui moi me dérange pas, mais qui y avait plus dans l'original, où tu sentais que la succession des lieux avait un peu un côté comme des niveaux cachés avec des thématiques. C'est un peu difficile à expliquer, mais parfois dans un jeu, c'est un peu comme quand on passe dans une zone et cette zone est vraiment très différente d'un coup. Et on se dit, est-ce que vraiment la transition entre ces deux zones, est-ce qu'elle est logique? Est cohérente. Alors que vraiment, c'est le moment-là, on sait qu'on est dans un jeu vidéo. Ils ont vraiment choisi un axe de développement qui était un peu différent de l'ancien. Là où justement, l'ancien, il l'avait quand même appelé Resident Evil 3 Nemesis, et où justement Nemesis te collait aux fesses tout le temps. Là, je trouve qu'ils sont plus concentrés sur la relation Carlos Jill Valentine, qui était une relation du coup qu'il y avait dans l'autre, mais Carlos, tu le voyais vraiment pas longtemps, tu le contrôlais pas très longtemps. Là, c'est plus équilibré finalement le temps de partage entre les deux persos, et c'est plus cohérent au sens où c'est clairement plus cohérent dont fait partie Carlos. Elle appartient du coup à Umbrella, d'accord, donc qui est l'entreprise qui est à l'origine de tout le fléau qui s'est abattu sur Raccoon City et des anciens épisodes, donc on connaît l'entreprise, quoi. Et en gros, c'est ça ce qui est original, c'est que Carlos, il fait partie d'une équipe de sauvetage envoyée par Umbrella. Et Jill Valentine, c'est les Stars, et c'est ceux qui ont, entre guillemets, mis à nu les événements qu'il y avait eu au manoir d'Arkham. Alors donc c'est pour ça que ça glisse nettement mieux ce qui se passe, parce qu'ils vont supprimer certains passages qui faisaient plus rivalité entre les deux équipes, quoi. Là, on se concentre plus sur ce qui est survie. D'accord. C'est ça. Et c'est. Et il n'y a pas de. Comme dans le 2, en fait, de possibilité de choisir son personnage comme dans le 2, quoi. Tu m'amènes à un des défauts du jeu, qui est que dans le 2, il y avait une rejouabilité qui était acquise par le fait de pouvoir refaire l'aventure soit selon le point de vue de Léon, soit selon le point de vue de Claire. Là, en fait, dans le 3 original, il y avait des moments dans le jeu, il y avait 10 moments dans le jeu où il y avait un ralenti. C'était souvent durant des rencontres avec le Némésis, où il y avait des séquences durant lesquelles on avait un choix entre deux actions à faire qui nous débloquaient un petit chemin alternatif. Et le jeu avait aussi trois fins différentes. Là, il n'y a plus trois fins différentes, il n'y a plus qu'une fin, il n'y a plus les choix alternatifs, on n'a plus rien à choisir parce qu'il n'y a plus qu'un chemin. Et donc ça, c'est vraiment pour moi une grosse perte, parce que même si dans l'original ça bouleversait pas complètement le jeu, même si les fins ne se ressemblaient pas trop, ça donnait quand même envie de le refaire pour découvrir une petite cutscene, pour découvrir un petit environnement pendant 5 minutes
différent, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Donc C'était vraiment le côté The Thing du Nemesis qui prend de plus en plus cher. Et à chaque fois que tu le rencontres, c'était un petit peu la Lula Quiz. Là, les rencontres avec le Nemesis sont décevantes parce qu'en fait, dans l'original, tu avais vraiment le temps de le craindre et presque en fait de connaître ses patterns parce que vraiment, il venait souvent. Du coup, sa présence était toujours là, en fait, était toujours sous-jacente. Et là, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus parce que c'est toujours scripté. Il y a toujours une cinématique qui va lancer l'arrivée du Némésis. Et ensuite, il va arriver et nous poursuivre. Et c'est plus rapide. Tu parlais du rythme. Ouais. C'est plus rapide aussi parce que Némésis, du coup... Alors, il y a des trucs super et on ne spoilera pas dès le début du jeu quand on le rencontre, les premières rencontres avec lui, qui sont très différentes de ce qu'il y avait dans l'original. Mais en plus de ça, Némésis, c'était une figure du monstre à la Frankenstein où au départ, il ressemble à un humain. Complètement. Et en fait, après, il va muter de plus en plus pour ressembler finalement à une aberration vraiment comme à la fin de The Thing quand le monstre est complètement éclaté et qu'il ressemble plus à rien. C'était vraiment cette idée-là qu'on trouvait beaucoup dans l'ancien et qui était très typée années 90, qu'on retrouve peut-être un peu moins là, je trouve, parce qu'il est beaucoup plus rapide. Très vite, il va muter et il aura moins de forme qu'avant. Et je trouve qu'il aura au départ, il était humain et qui devient bestial jusqu'à te suivre jusqu'au dernier instant le plus pitoyable possible. Il y avait des moments dans l'ancien où quand tu te battais contre le boss, il allait finir par vraiment tituber avec le bras qui traîne terre, avec des gilets de sang en même temps. C'était incroyable. Toujours en train de crier stars et tout, obstiné à avancer à deux à l'heure. Il y a même un moment dans le jeu où ils s'étaient embêtés à coder ça, alors qu'ils étaient même pas obligés. C'est que il est tellement faible qu'il continue de se battre et tout, mais à des moments, il fuyait même carrément. Il revenait en arrière, mais il était pitoyable, mais il pouvait quand même te tuer avec un vieux coup de fouet, une espèce de tentacule lasso qui était mal passé. Et ça donnait quelque chose de plus surprenant entre les rencontres qui étaient moins scriptées ou qui étaient scriptées et pas scriptées. T'avais l'impression que Némésis, quoi qu'il arrive à chaque partie en refaisant les scénarios, il pouvait avoir un comportement ou un coup que t'aurais pas vu, quelque chose qui te surprendrait à un moment où tu l'avais pas prévu. Enfin, moi, et puis dans l'original, le fait d'être constamment traqué comme ça, le tout mêlé à l'incroyable bande-son de l'original qu'on retrouve même plus maintenant, ça donnait vraiment une ambiance inimitable que malheureusement ils n'ont pas réussi à restituer ici. En fait, il faut vraiment voir ce remake. Je pense que si tu n'as jamais fait l'original, tu vas vraiment être content avec ce remake. Mais si tu as fait l'original, tu vas voir tout ce qui a été enlevé parce que au-delà des choix qui sont partis, il y a aussi de nombreux lieux qui ont été retirés. En fait, je dirais beaucoup, qu'ils ont enlevé 4 ou 5 lieux qu'on traversait dans l'original ne sont même plus dans ce remake. En fait, t'inquiète pas, ça fait quand même DLC. Non, ça viendra jamais en DLC. Ça, c'est un des défauts du jeu, c'est que d'ailleurs, Capcom, c'est malheureux, parce que là, ils sont vraiment dans une bonne passe. Le jeu est bon, mais ils sont dans une bonne très passe. Bon même, ils ont quand même des travers dans lesquels ils reviennent régulièrement, et c'est la paresse. Et dans ce jeu, on sent ce retour de ce travers qui est la paresse. On sent qu'ils ont voulu le sortir. Ils ont eu une date pour sortir le jeu. Ils se sont dit sûrement qu'ils voulaient rester sur le succès de toutes les ventes du 2. Il me semble que c'est plus de 6 millions. C'est beaucoup. Le 3, là c'est déjà vendu à plus de 2 millions. Là, ils sont déjà à 2 millions. Il fera moins bien, il fera moins bien que le 2, c'est sûr. Ouais, donc c'est ça. Et on sent que c'est dommage parce que quand on voit tout le potentiel qu'il y a dans ce remake, dans les scènes qui sont réussies, on se dit, ben dis donc, vous aurez un remake qui arrive tout le temps. Mieux. Pareil aussi sur ce qui est des différences avec l'ancien, c'est que tu vois qu'il y a eu des coupes qui ont été faites. Plus parce qu'effectivement ils avaient pas le temps et qu'on leur avait donné une date. C'est pas le développement de MGS5 qui commence et où on sait pas quand ça s'arrête. C'était pas vraiment cette optique-là. Et c'est vrai que ça c'est un peu dommage parce que quand t'es fan et que t'aimerais bien voir un petit peu l'ensemble, il y a des passages qui auraient donné plus de corps à Nemesis et qu'on aurait fait un opposant beaucoup plus coriace, quoi. Et c'est pareil. Il y a des choix qui ont été faits. Au niveau du scénario, alors sans spoiler, du coup cette équipe des Stars dont fait partie Jill Valentine, elle est traquée dans les anciens et ils se font tuer un par un, si tu veux. Donc il y avait l'idée un peu fanboy de service, certes, que tes personnages que t'aimes de Resident Evil 1, 2, donc des Resident Evil qu'il y avait avant, puissent se faire éliminer. Et Resident Evil 3 original commençait très vite par une scène où Brad, en fait, il se faisait éliminer par le Nemesis et se faisait éliminer d'une manière extrêmement trash parce qu'en gros il te le prenait à une main, il entre, il court en hurlant en disant de fuir et l'autre d'un coup t'as Nemesis qui arrive, c'est la première fois où tu le vois et où du coup il fait juste Stars, il arrive en marchant, il fait limite trembler le sol, il attrape l'autre par la tête et puis il y a des tentacules qui sortent et qui lui traversent la tête et il le jette comme une
comme un gros déchet en fait par terre. Comme un pantin. Soit c'est là où tu te dis ce type il est dans Resident Evil, enfin il est dans Resident Evil 1, c'est l'un des mecs qui t'a sauvé et tout et compagnie. Tu comprends tout de suite que l'adversaire que t'as en face de toi, enfin qu'en gros tes personnages peuvent être vulnérables. C'est pas juste des personnages fanservice qui vont arriver du début à la fin de l'aventure. Et ça c'était quelque chose d'assez chouette parce que ça pétait un peu le fétiche du perso de Resident Evil. Ça et puis pour rester avant de conclure sur Resident Evil 3, pour rester sur les directions discutables de ce remake quand on est vraiment un aficionado de la série, je dirais qu'en fait c'est toute une perception différente de ce qu'est l'esprit d'un Resident Evil original qui ici a été modifié. C'est un exemple que je donnais à Arthur quand on en discutait à Killer 7 quand on en discutait au téléphone, c'est-à-dire que par exemple dans l'original, le Nemesis, c'était par exemple t'entrais dans une pièce et d'un coup t'entendais un bruit, je sais pas, d'une table renversée dans une pièce à côté. Et là, l'action restait sur ton personnage. Il y avait une musique très stressante qui montait en intensité pendant que tu t'approchais de la porte. Tu l'ouvrais et là, tu constatais que le Nemesis était là et qu'il était en train de s'attaquer à un autre membre des Stars. Dans l'original, c'est tu vas entrer dans un lieu et juste une cinématique va te montrer tout ça en accéléré où il tue tout le monde, le Nemesis, et après, t'es dans un moment scripté. En fait, il y a beaucoup moins de maîtrise. Dans le nouveau, tu veux dire. Dans le nouveau, oui, dans le nouveau. Nouveau. Oui, dans le nouveau, pardon. T'as beaucoup moins de maîtrise. Puis c'était beaucoup ce dont tu parles, c'est le style des anciens films d'horreur, en fait, hein, où tu vas entendre quelque chose et la musique, elle vient en renfort voilà. Après. Et le temps que tu appréhendes, tu t'imagines ce que ça peut être. Et en plus, vu que le Nemesis mutait souvent au niveau de ses formes, t'avais toujours une surprise quand tu voyais une de ses nouvelles formes. En fait, à chaque fois où tu t'habituais au pattern du Nemesis, soit pour l'esquiver, soit pour le changer, de le tuer à chaque fois, ce qui d'ailleurs te donnait des petits accessoires pour des pièces pour tes flingues et pour devenir plus puissant. Et c'était audacieux, hein, tuer le Nemesis à chaque fois. Bah, là, dès que tu t'habitues à ces patterns, en fait, c'est bon parce que il n'y avait pas ce côté où ça se renouvelait constamment, en fait. C'est vrai que c'est un peu dommage. Après, quand même, pour tempérer, là, si on est critique comme ça, c'est aussi parce qu'on adore et la série et le jeu. Ça reste un excellent jeu, hein. C'est juste qu'il y a cette petite déception de te dire à la fin, ouais, c'est passé vite. J'aurais bien aimé pouvoir le relancer en moi, c'est ça. Bah, moi, franchement, c'est ce que je disais. Je pense que n'importe qui n'a pas fait l'original va vraiment apprécier le jeu. Moi, je l'ai apprécié. Je l'ai fait deux fois et ma deuxième partie, je l'ai vraiment plus aimé. Là, au niveau de l'ambiance et l'atmosphère, c'est toujours fantastique le travail qui est fait dessus. Genre vraiment, le côté post-apocalyptique de Raccoon perce l'écran. Ça, ils l'ont pas perdu. Mais c'est juste dommage parce qu'ils auraient pu faire vraiment plus et ils en sont capables. C'est même pas ils comme en, si on, ils en sont capables. Capables. Et en tout cas, c'est quand même un exemple. Faut quand même dire que quand on crée mec, c'est quand même il y a quand même un exemple de cohérence et de rythme parce qu'il y avait quand même cette idée qui a très bien été retrouvée. Et t'as quand même aussi un truc qu'ils ont su très bien faire, c'est que dans Resident Evil 3, par rapport aux anciens, il y avait la possibilité de faire des esquives, face aux ennemis, ce qui rendait les combats beaucoup plus dynamiques. Alors, rigide et dynamique en même temps, hein, parce que c'est de l'esquive quand même qui doit se faire vraiment au timing près. Et là, ça arrive quand même assez souvent. Tu l'utilises quand même assez souvent cette capacité-là, et ça peut donner quand même lieu à des belles scènes parce que t'as quand même beaucoup de zombies, contrairement aux autres. Oui, le 3 est vraiment plus orienté face à une horde de zombies du genre 5 ou 7, où t'en tues 3, puis il y en a 4 autres qui arrivent derrière. Donc tu peux vite être un petit peu dépassé par les événements. Alors j'ai quand même hâte de le faire en mode plus dur, parce que celui que j'ai débloqué là à la fin, pour voir justement ces histoires de zombies qui couraient un peu plus ou peut-être de balles plus limitées. C'est vrai que quand j'ai fini le jeu, j'avais mon inventaire, il était blindé de balles. Hein. Il ne manquait rien, quoi. Donc tout ça pour dire en fait que voilà, ils ont dépensé des millions et des millions de dollars pour créer un Nemesis alors qu'ils auraient juste pu foutre directement un petit truc dans la soupe de Jill pour la tuer direct, quoi. Oui, c'est vrai que c'est assez rigolo cette histoire d'envoyer un monstre, de faire on de la R&D bien. C'est vrai que ça c'est le côté kitsch des années 90. Ils auraient pu envoyer un assassin plutôt que d'envoyer un monstre avec un lance-roquette. Ça et puis je trouve aussi que ça aussi c'est bon. Après c'est Resident Evil hein. Là on cherche vraiment la petite bête. Mais je trouve oui, que dans l'original l'endroit où ils avaient placé le labo était plus. Là, je suis en train de dire, d'ouvrir des guillemets, crédible que dans ce remake, parce que dans ce remake, on crochète une porte et on arrive presque grave. Dans le labo. C'est trop drôle. Limite, hein. Et la porte, c'est la porte du secrétariat dans l'hôpital, hein. Donc, surtout que là, peut-être, t'as l'héroïne, tout, elle passe comme ça, elle se fait, waouh, mais c'est dingue qu'ils aient jamais vu cet endroit et tout, genre à l'hosto, les mecs, ils passent devant, il y a un gros complexe scientifique en bas. Attention, ne pas entrer. Et alors, peut-être aussi, pour finir là-dessus, vous y penserez ceux qui n'ont pas encore fait le jeu, ou alors les autres sauront tout de suite de quoi on parle. Mais un jeu qu'on passage dans l'hôpital est quand même l'un des meilleurs passages de la série Resident Evil. Je pense tout Resident Evil confondu, c'est vraiment une ambiance
excellente. C'est un hôpital d'être débordé. C'est en actualité, mais il y a des cadavres partout. Enfin, je veux dire, il y a du sang sur les murs. Les documents sont mieux écrits. Il y a des zombies qui sont par terre, qui vont se lever. Faut vraiment faire gaffe. Penser à les poignarder. Ils peuvent vite te surprendre. Et il y a une ambiance super glauque. Et c'est la rencontre avec les fameux hunters, qui sont un des monstres qu'on n'a pas encore vu dans les remakes. Depuis celui-ci, et qui sont vraiment très dangereux, espèce de reptile. Ouais. L'ambiance est vraiment à couper au couteau. Et puis, pour conclure sur le jeu, je dirais que c'est ça. C'est aussi, si on le juge, peut-être, on peut avoir l'air dur quand on le juge comme ça en tant que remake, mais c'est qu'il faut aussi savoir que Capcom nous a montré ce qu'ils étaient capables de faire avec le remake du 1 sur GameCube, qui est toujours considéré aujourd'hui comme l'exemple d'un des meilleurs remakes qui puisse être fait, dans le sens que ils n'essayent pas juste de reprendre un aspect du matériau d'origine. En fait, ils subliment le matériau de base. Ils subliment le matériau de base. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ici. Et en fait, là, ici, celui-ci, c'est un remake. C'est plus, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est plus une relecture intéressante, clairement. Mais celui-ci m'a plus donné envie de refaire l'original, alors que le 1 sur GameCube m'a fait rester au 1 sur GameCube. Donc voilà. Mais c'est un bon jeu. Tu l'aurais donné un an de développement supplémentaire. On aurait eu un jeu où de A à Z, niveau, non seulement il y aurait eu le rythme, mais on se serait dit, waouh, c'est une vraie aventure. Ouais. Quand t'arrives à la fin, t'en as encore un petit peu, le boss final, sans spoiler. C'est quand même facile à éclater. Et, c'est un peu dommage pour un ennemi, finalement, où chaque rencontre est censée être mémorable. De pas en profiter pour mettre le paquet, quoi. Mais une très bonne pioche qu'on conseille tout de même pour les fans de la série comme les nouveaux. Ok, super. Eh ben écoutez messieurs, pour rester dans le gore, on va passer peut-être à Doom. Bon, les jeux à ambiance, quoi. Ouais, un jeu à ambiance, on est resté dans des ambiances très sanguinantes. Où tout le monde est, tous les personnages sont paix et amour. Ouais, c'est ça, ouais. Doom. Alors Doom, du coup, c'est. Je pense qu'on va en parler tous les trois. On y a tous joué. Alors nous, on avait adoré avec Benoît l'épisode précédent, qui était 2016. Très 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 nerveux de 2016. Alors quand il avait été annoncé, tout de suite, on était bien content, comme beaucoup, de voir en fait un deuxième épisode qui serait dédié à Doom. Alors il l'avait vraiment vendu comme plus de petites QTE, vous savez, les mises à mort rapides, là, les glory kills, donc ils ont fait plus d'animation, donc ça plus de tout, quoi. Plus de tout, plus de sang, des armes plus vénères. Là où c'est vraiment intéressant, alors il n'y a pas de spoiler tout de suite, c'est un excellent jeu. Pour moi, c'est même l'un des meilleurs FPS que j'ai fait. Donc j'avais choisi le mode de difficulté me semble-t-il juste en dessous de Nightmare, donc où la difficulté est au rendez-vous. Il y a rien d'impossible du tout, mais il y a un bon niveau. Ça bouge énormément. Là où c'est intéressant, la différence vraiment notable par rapport au deuxième épisode, enfin à l'épisode qu'on avait juste avant de 2016, c'est que c'est curieusement, je trouve, plus rapide, plus lent et plus rapide en même temps. Alors, je vais m'expliquer parce que ça paraît un peu bizarre dit comme ça. C'est la dialectique de Doom revisité. C'est plus lent parce que le personnage court beaucoup moins vite que dans le Doom de 2016. Mais par contre, c'est plus rapide parce qu'il y a un système de dash qui est essentiel pour en fait éviter les ennemis et te rapprocher d'eux pour entrer dans leur zone de contact. Donc ça crée un feeling qui est quand même différent de celui de 2016, mais qui est vraiment intéressant parce que c'est très 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 arcade. Ça va vraiment être faire deux dashs successifs et puis lancer ton grappin, jeter une grenade en même temps, arriver avec ton lance-flamme pour brûler l'ensemble. Et tu arrives vraiment à jongler entre les ennemis comme ça, avec ce grappin et ce système de dash en changeant d'arme. Pour en fait générer des combats qui sont très très intenses. Là où effectivement dans le Doom c'était plutôt tu t'arrêtes c'est fini. Là c'est si t'arrêtes de dasher c'est fini, quoi. C'est parce qu'il me semble que c'est un des avantages. C'est un des avantages de Doom Eternal. Il me semble l'expérience est aussi plus modulable et personnalisable. Il me semble que dans l'original j'ai pas trop de souvenirs. Largement. Ouais. Il y a beaucoup plus de choses que tu vas pouvoir débloquer. Alors le système finalement est plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a un espèce de triangle pierre feuille ciseau. Qui fait que on a un lance-flamme équipé sur le dos qui nous permet, quand on l'utilise, donc en se rapprochant des ennemis, donc en s'exposant, de récupérer de l'armure. Donc l'armure, elle nous permet de nous protéger. Les ennemis, quand on leur tire dessus, à un moment, ils clignotent, donc comme dans les anciens, et quand on se rapproche, donc quand on s'expose, évidemment, on appuie sur le bouton E et ça fait un glory kill, donc c'est une mise à mort stylée, si tu veux, et très rapide, et qui, elle, va te générer de la vie.
Ensuite, du coup, avec ces deux aspects-là, tu jongles constamment entre les deux pour jauger ta prise de risque. Et vraiment, la meilleure défense de ce Doom-là, encore plus que le précédent, c'est l'attaque. C'est clairement ça. Tu vas vraiment te retrouver dans des situations, même à la fin, où il y a les plus gros démons possibles qui arrivent et où tu vas, mais vraiment sans craindre, tu jettes ton grappin et alors qu'ils sont extrêmement nombreux, tu jettes deux grenades en même temps avec une option qui, d'ailleurs, t'as pu débloquer, qui te fait un mini ralenti que je pense tout le monde, enfin que beaucoup de personnes vont utiliser. C'est optionnel dans le développement en fait du personnage, mais ce petit ralenti va faire que dès que tu sautes, t'auras un petit freeze qui te permet de viser. Et ça donne le moment entre guillemets de réfléchir ou de changer d'arme, de te rapprocher ou d'éviter les balles, parce que même avec ton grappin tu peux bouger en même temps, tu peux éviter les boulettes. C'est assez ça donne vraiment un rythme très très cool, puisque en plus quand ça va reprendre, là tu sais que tu as peu de temps pour esquiver quoi. Et puis d'autant vraiment plus un rythme que super cool. Et puis d'autant plus que tu peux encore accélérer le rythme qui est déjà rapide du jeu. Par exemple, en personnalisant le fait de faire les glory kills plus vite, de les lancer de plus loin, de prendre les perches plus vite pour rebondir dessus. En fait, c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans celui-ci plus que dans l'original. Sachant aussi, je tiens à apporter une nuance, c'est que l'original, j'avais pas encore de PC à l'époque, donc je l'avais fait sur console. Et là, j'ai pu découvrir ce que c'était le jeu sur PC, et clairement au niveau c'est le jour et la FPS, nuit. C'est fast. Ouais, parce que c'est un jeu voilà, qui est fait pour le PC. Mais au-delà de ça. J'ai beaucoup apprécié le côté plus aérien que dans l'original, et aussi la direction artistique qui, selon moi, est beaucoup plus inspirée. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, oui, il y a pas que ça aussi, hein, en dehors du gameplay, purement et simplement. Il y a aussi le fait, en fait, qu'il n'y a pas que des zones, en fait, où tu défonces, en fait, tous les mobs. Il y a aussi la partie, en fait, où tu peux directement faire un peu de plateforme, entre guillemets, et ça te donne le temps de te reposer après, on va dire, un moment hyper intense où ton cerveau, il est overclocké, il est complètement en fusion. non, mais c'est un truc de dingue, hein. C'est génial. Ouais. Quand tu y penses, en fait, t'es vraiment tellement à fond dedans et tu te rends compte après. Quand tu joues à Doom. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est mon jeu du confinement. Des fois, quand tu vois des comment on s'appelle, sur PC, sur console aussi, tu peux enregistrer directement tes moments préférés. Et quand tu regardes, en fait, les actions que t'as fait, tu te dis, mais comment ton cerveau, il peut réagir aussi rapidement? Ouais, je suis d'accord. C'est constamment sollicité. En fait, c'est un flow constant, en fait. Tac, tac, tac. Tu t'en rends même pas compte quand tu joues, parce que c'est ça qui est génial. Le terme que tu utilises de flow est excellent, parce que c'est vraiment ça. Le flow est maîtrisé de A à Z. Et sans oublier que petit point à rajouter aussi sur la carte, tu peux recollecter des genres de power-up, des petits bonus qui permettent encore plus d'accélérer encore plus ce flow. Je sais pas si vous avez vu ça sur la carte, hein. Tu pouvais récupérer des petites boules qui soit te donnent, comme dans le premier d'ailleurs, hein, la possibilité soit de tuer des mecs beaucoup plus rapidement, soit d'être encore plus rapide, soit d'être en mode berserker, qui est génial. T'arrives en fait, tu prends n'importe quel gus, alors là t'es dieu, c'est génial, t'es dieu. T'arrives les gars, tu les éventres, c'est génial, t'as du sang qui gicle partout, c'est magnifique. Non, c'est vrai que pour le coup il est vraiment gore. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser, est-ce que vous aviez vraiment aimé le premier? Moi, le premier, mon sentiment avait été mitigé par le fait que je l'avais fait sur console, et aussi je le trouvais, je sais pas, vraiment moins bien maîtrisé que cette suite. Alors sur internet, un reproche que j'ai pu voir, et c'est pour ça moi j'ai pas été d'accord avec ça, mais je voudrais votre avis vu que vous avez vraiment aimé le premier, c'était que le côté plus scénarisé de ce Doom Eternal a dérangé certaines personnes. J'ai abusé à la télé cinématique, personnellement ça m'a pas dérangé du tout. Ouais, elle dure même pas 30 secondes. À mon avis, les gens qui t'ont dit ça, c'est parce que c'est moins un arena shooter. J'ai lu ça sur des forums. Quand Benoît dit que, par exemple, il y a des séquences de plateforme qui te permettent de casser un peu le rythme, ou même des fois, tu vas rencontrer juste quelques ennemis au lieu d'en avoir des centaines. Moi, je trouve que c'est cool parce que ça pète un peu le côté répétition. Ça fait moins arena shooter où t'enchaînes les arènes. Parce qu'il y a ça, mais faut se détendre. Le challenge, il est là, et t'as vraiment des scènes qui sont mémorables. Je trouve juste au contraire que ça apporte plus de variété et qu'il faut pas s'enfermer juste dans un genre. Puis surtout, encore une fois, je suis désolé, mais le scénario, bien le fait qu'il soit beaucoup plus présent que dans le premier, le mec il défonce directement en gros le robot qui veut t'expliquer un petit peu le concept du jeu, bam, il te le défonce. Là dans le 2, t'as un lore qui est beaucoup plus présent, mais personne te force vraiment en fait à regarder tous les trucs que tu regardes. C'est intrusif. Honnêtement, quoi. Franchement, puis en plus c'est quand même bien foutu. J'ai lu un petit peu en fait. C'est intéressant. C'est pas un truc de dingue, mais et puis les cinématiques sont quand même bien foutues. Moi aussi, je trouve. Elles sont drôles. Le seul truc qu'on n'a pas et que j'aurais bien aimé, c'est con, hein. Et c'est ce qu'il y avait en fait à un moment donné dans Gears 4. Désolé pour le mini spoil sur la fin du jeu, mais sur la fin dans Gears 4, en fait, tu prends carrément des robots géants.
Et dans moi, je l'attendais, hein. Je l'attendais, et, Benoît, hein, parce que il y a ton robot. À un moment donné, tu vois un robot. Ouais. Tu dis, oh non, là, je te jure, voilà, je me suis dit, non, putain, ça va être génial, putain. Je me suis vraiment pété la gueule avec le robot géant, et non, même pas. Et là, je me demande s'il se réserve pas pour le troisième, parce que quand j'ai vu le robot. Il y a des DLC qui sont censés arriver aussi, hein. Il y a des DLC, et quand on est dans le, parce qu'en fait, l'une des particularités de celui-là, c'est qu'il y a une espèce de hub qui est ton vaisseau spatial dans lequel tu peux débloquer quelques accessoires, tu peux aller dans ton bureau et voir toutes les choses que t'as collectées, des petites figurines, des choses comme ça lors de ton aventure. Effectivement, tu tombes sur ce robot géant là, il y a des choses qui sont en train d'être façonnées en direct, du genre tes armes. Il y en a certaines qui vont être créées au fur et à mesure de ton aventure. Et notamment, du coup, la troisième partie du pierre-feuille-ciseau dont je parlais au début, c'est l'épée qui arrive, du coup, peut-être aux deux tiers du jeu, et qui est quelque chose où tu trouves deux, trois petits fragments de cristaux, en guillemets, qui te permettent de l'utiliser trois fois, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui te permet de couper les ennemis en un coup. Et la tronçonneuse, t'as oublié aussi d'en parler, c'est un élément extrêmement important du jeu. La tronçonneuse qui te permet donc de tronçonner les ennemis, comme son nom l'indique, quand t'as plus de munitions. Alors, effectivement, différence par rapport à celui de 2016, donc on voit le pierre-feuille-ciseau, quand même plus complexe. C'est pierre-feuille-ciseau, on va dire, puits. Hein. Ça m'a perturbé au début. Hein, Un petit peu plus complexe parce que dans l'autre, tu n'avais jamais de problème de munitions. Là où dans celui-ci, tes balles, tu vas vite les perdre et ça va dépendre de ta faculté à avoir géré ce flot et donc à avoir utilisé ta tronçonneuse au bon moment pour récupérer des munitions. Alors si tu n'as plus de balles, ça peut arriver. Ça arrive à quelques moments de te retrouver sans balles. Faut truer sur un ennemi et le tronçonner. Les petits mobs de merde. Plutôt de précipiter vers un petit ennemi parce que les gros, bah, ils consomment 2 à 3 rations d'essence, quoi, si tu veux. Et tu les as pas forcément à ce moment-là. Alors, Benoît lui dit que ça l'a dérangé. Au début, le temps de m'habituer. Parce que moi, j'avais l'habitude, en fait, du premier. Où le premier, en fait, tous les glory kills te donnaient, en fait, des munitions, de la vie. Et voilà, il n'y avait pas besoin. La tronçonneuse, en fait, c'était juste un petit bonus. Un petit truc un peu plus fun, sympa, on va dire. C'est vrai. Pour faire des glory kills un peu différents. Après, là, on peut pas leur en vouloir de l'avoir intégré à la chaîne de gameplay. Au début, ça m'a embêté. Mais une fois que t'as pris l'habitude, je trouve ça vachement bien. Parce que du coup, en fait, effectivement, ça te permet de varier les plaisirs. Et surtout ça te force vraiment à aller au corps à corps, quoi. Et puis ça te force à avoir une frame d'invisibilité supplémentaire, parce que c'est un peu la grande histoire de ce Doom, en fait. C'est qu'est-ce que tu vas faire pour avoir être le plus proche possible en faisant le maximum de dégâts et en ayant un schéma de fuite à la fin, quoi. Donc quand t'arrives avec ton grappin, par exemple, bah, tu peux brûler et jeter tes grenades en même temps, et qui était en plein freeze en même temps, t'as tout qui explose à ce moment-là. Et dès que t'as fini ton truc, tu fais un coup de tronçonneuse et c'est quasiment ce combo que tu vas répéter à chaque fois, et en t'adaptant aux situations et aux distances. Là où, d'ailleurs, dans l'ancien, c'est ça ce qui était rigolo, dans les reportages de gameplay qu'on avait pu voir, les équipes avaient vraiment très très bien réfléchi au rapport entre les différents ennemis et au rapport de distance au perso. Donc certains ennemis t'obligeaient, en gros, leur schéma d'attaque, c'était ça, c'est si tu t'arrêtes, tu meurs, parce qu'en gros, il y a plus d'ennemis que tu ne le vois à l'écran, qui sont autour de toi et derrière, et pour pas que ce soit impossible, bah, ils ont un schéma d'ordre d'attaque par rapport à ton angle de vision. Et donc, si tu attaques pas assez sur les ennemis que tu vas voir à l'écran, ils vont augmenter leur agressivité, et donc, ils vont, par exemple, une simple boulette de feu qui est envoyée par un ennemi, bah, elle va sans doute te tuer. Là, c'est un peu différent, parce que moi, finalement, mes rapports aux ennemis, c'était moins le fait de changer d'arme, que de ne plus avoir de munitions dans l'une de mes armes et que ça change automatiquement. Ça change automatiquement d'arme quand t'as plus de balles. Et donc, te forcer à jouer différemment. Voilà. Ça, je trouvais ça assez riche parce que du coup, il y a des moments où je me retrouve avec une arme qui était pas celle que j'aurais choisi forcément parce que j'avais plus de munitions. Et donc, je jouais quasiment toutes les armes qu'il y avait, quoi. Et ça donne du coup un ensemble qui est plus facile que peut-être dans le premier où on allait plus facilement. Mais le premier, je me souviens qu'à partir du moment où j'ai eu le double shotgun, j'avais l'impression d'être que au double shotgun et à la mitraillette. Eh mec, avoue quand même que dans celui-là, une fois que t'as le double shotgun avec j'adore le grappin. Le fait de s'accrocher, le grappin, c'est tellement jouissif, je te jure. En fait, tu fais des 360 degrés autour du mec en tirant dessus comme ça, tu sais. Tu t'accroches en fait aux barrières pour donner un petit bond, tu crames les gars au passage, tu balances deux trois petites grenades et tout. Putain, mais t'es un dieu, c'est tellement... D'ailleurs, c'est quelque chose à noter, ça, c'est la diversité des armes. Hein. Il me semble qu'il y en a quand même une bonne dizaine. Aussi, certains ennemis ne sont battables, en tout cas, ont une stratégie d'attaque où il faut utiliser telle arme. Par exemple, si tu tires sur un ennemi qui a son bouclier au plasma, tu sors ton arme au plasma et ça créera une explosion. Voilà, il y a plein d'autres exemples comme celui-ci. D'ailleurs, il faut préciser, depuis le début, on parle de nos personnages qui sautent, qui virevolent dans tous les sens, de, je sais pas, une trentaine d'ennemis à l'écran qui se jettent sur nous, etc. Et le jeu
Il bronche pas, tourne vraiment bien et j'ai regardé des benchmarks là aussi. Et c'est incroyable de voir comme il tourne à 60 FPS, même sur des configurations un peu datées. Donc ça, c'est bien. Il est magnifique, c'est clair. Il est super beau, ça bouge de vraiment super bien. C'est vraiment, moi, j'étais impressionné. Hein. D'un point de vue, en fait, de, on va dire, graphiquement parlant, le jeu, par contre, est quand même vachement plus coloré, je trouve, que le précédent. Moi, j'ai vraiment préféré. Hein. Tant mieux, et je trouve que c'est beaucoup plus acidulé. À un moment, les passages où tu vas entrer dans les immeubles avec des néons qui sont allumés partout, ça part complètement en sucette. C'est plus seulement l'enfer, parce qu'en fait, c'est, spoiler alerte, hein, la Terre est attaquée par des démons. Donc on oscille entre ce hub principal et des missions. On va aller du coup sur Terre, aussi en enfer, hein, rassurez-vous. Et donc du coup, t'as des décors qui sont beaucoup plus variés. Ça, c'est vraiment très agréable. Et aussi, un autre point dont on n'a pas encore beaucoup parlé, bah, il y a les musiques qui étaient déjà très réussies dans l'ancien, alors, qui partaient vraiment en métal. Donc, c'était progressif, en fait, selon ce qu'on faisait, ça évoluait. Donc, on a vraiment l'impression de participer à une partition de musique. Là, dans celui-ci, je trouve qu'ils ont beaucoup plus varié le répertoire. Il y a des moments, on a l'impression il y a quand même des chants en latin qui sont derrière, des chants sataniques. Et ça donne des ambiances aussi aux passages de plateforme qui sont un petit peu différentes. Pareil, les boss sont beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup mieux réussis que dans l'ancien. Dans l'ancien, il n'y en a pas énormément boss, non plus. Hein, il n'y en a pas énormément, mais dans l'ancien, ils étaient et mal amenés et inutiles. Enfin, je veux dire, ils avaient juste un schéma de pattern à trois attaques. C'était comme dans le jeu Nintendo. Ouais, c'était vraiment très, très peu inspiré. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, il y en a bien trois qui sont assez Moi, les boss n'ont pas vraiment retenu mon attention. Hein. C'est plus certains persos qui ne sont pas vraiment des boss. Quand tu regardes... Bah, on va dire que oui, c'est des boss, mais après, ils sont réutilisés des ennemis, comme des ennemis, comment en ils fait. Sont... En Parce fait, que les ennemis, il y en a plein. Ils ont encore augmenté le bestiaire et puis ils ont choisi des ennemis qui n'étaient pas dans... Ils n'ont pas choisi le même modèle d'épisode de Doom, on va dire, sur les ennemis classiques. T'as le cerveau, là, avec son espèce de Gatling sur la tête, des espèces de lézards sirènes. T'en as qui font des boucliers, qui arrêtent les balles. Enfin, c'est très, très varié. Moi, j'imagine tellement les développeurs, enfin, t'es en train de s'imaginer. Ah, ils ont dû faire des réunions et tout. Oui, mais alors là, on va prendre un mec, il est trop beau, ton perso. Ah ouais, vas-y, regarde, j'ai fait un octopus robot avec un œil qui balance des lasers. C'est trop bien. Non, mais ils ont dû bien rigoler parce qu'il est kitsch à souhait, quoi. Tu sais, limite, on imaginerait les dessins qu'on avait des fois en 2D dans certains jeux vidéo. Tu sais, c'est un peu comme Zelda. T'avais des dessins en 2D qui était fait comme ça, qui avait rien à voir avec le jeu, mais qui était juste pour la com. J'imagine les artworks doivent être super cool de cet épisode de Doom. Bah, ils sont cool déjà, c'est clair. Quand. Grosso modo, un épisode qui fait encore mieux, je trouve, que le précédent. Oh, et qui promet énormément pour Doom 3, parce que jamais 203 maintenant. Je pense que j'espère bien, de toute façon. Surtout je pense qu'il n'y a pas de raison, là. Ok. En même temps, j'ai envie de te dire, Doom Slayer, enfin pas Doom Slayer, mais le Slayer, il a buté quasiment en fait tous les monstres de la galaxie complète. Je sais plus qui est-ce qu'il va pouvoir buter maintenant. Il faut quand même apprécier sa désinvolture tout le long du jeu. C'est que il parle pas et grosso modo partout où il arrive, même quand on croise des humains, il fuit quand il te voit tellement t'es une espèce de légende. Et ils en jouent mais à fond la caisse, mais c'est tellement drôle. J'adore. Tu sais, il peut arriver, il y a un humain qui est là sur son PC. On croyait d'ailleurs limite l'équipe de développeurs. Ils sont là quand ils le voient, c'est limite mes respects. Ils reculent en arrière et il leur prend. Tu sais, le petit pendentif clé qui est autour du cou, juste même ça, enlever, sans rien quoi. Dire, et il s'en va. La tête, quoi, ça, t'es... Et puis, un point qu'on n'a pas abordé, c'est la rejouabilité aussi, quand même. Il y a énormément en fait, de possibilités de rejouer à Doom. Toi, tu as parlé tout à l'heure en fait, de ton mode de difficulté qui est au-dessus du mode normal, mais pas ultra difficile. Tu as des modes ultra difficiles. Tu as un mode en fait, pour revenir avec, on va dire, 3 vies. De base comme dans les premiers Doom, tu sais, où tu ramassais directement en fait des vies et puis arrivais dès que tu mourais 3 fois, boum, c'était game over. Bah là c'est exactement le même style de jeu. Ouais, t'as des jeux où tu peux carrément en fait t'as qu'une seule vie pour tout le jeu. Donc ouais, bon là t'as pas intérêt à mourir. Hein. Non franchement, et puis ils sont les défis que tu peux refaire. C'est ce que j'allais dire avec les clés violettes là, comment ça s'appelle encore, les Slayer Gates. Ouais, les Slayer Gates. Là si tu veux du challenge, tu prends une clé violette, la Slayer Gate, et là je l'ai quasiment toutes faites, celle-ci, et c'est vrai qu'il y a, c'est super, parce que là, t'as vraiment génial. Du défi. T'en as aussi certaines où il faut tuer un certain nombre d'ennemis en. Seul en point négatif que je dirais par rapport à ça, c'est une fois que t'as terminé le jeu, tu peux pas avoir accès automatiquement, on va dire, à ces zones-là. Il faut refaire, en fait, la partie du le jeu niveau, pour y accéder ouais. et tout. C'est un peu relou, parce que moi, je voulais vraiment me les faire par la suite, c'est dommage.
C'est le petit côté Metroidvania, on aime ou on n'aime pas, mais comme ils ont mis des environnements qui sont plus grands, qui sont plus verticaux avec une carte, où franchement, c'est inspiré, hein, le level design. Hein. Oh, des fois, tu te dis comment tu finis à arriver à un endroit où tu te demandes, mais par où je suis passé à sauter par ça. Et des fois, je sais pas si t'as essayé, mais moi, il y a des endroits où, alors que t'es pas censé pouvoir y accéder dès le départ, tu dis, ouais, c'est bon, avec mon triple saut, mon quadruple dash de la mort, je peux y arriver. Et en fait, non. T'as un mur invisible parce que c'est ouais, normal, ouais, ouais, hein. Tu peux pas aller de l'autre côté et tout ça, mais c'est. Puis mais ouais, c'est le bien côté fichu, vertical, parce que tu vois vraiment de loin et tout. Enfin, de l'ambiance, puis, les graphismes, le gameplay, le son, tout est je crois qu'il y a absolument rien qui est raté. L'optimisation du jeu qui est nickel. Franchement, moi, le jeu, il y a quasiment pas de défaut. Hein. Il est quasiment parfait. Hein. Voilà, un jeu qu'on recommande. Faites-vous plaisir. Si vous, c'est un bon jeu pour le confinement, ça, où on passe sa journée dessus, c'est parfait pour. Au lieu de gueuler sur les gosses, gueuler sur Doom, quoi. Je t'imagine bon, rager sur ton PC. Ben, merci, putain, monsieur. Et on va passer à la suite avec World War Z, qui est donc le remake, peut-être pas forcément du bouquet, mais plus du film qui était déjà assez merdique. C'est vrai. Quand on parle World War Z, la première chose qui me vient, c'est Brad Pitt en train d'ouvrir sa canette de Pepsi. Ah, pareil, mon Dieu, ce malaise. Ce malaise au cinéma. C'est ça. Quand ils ont annoncé le jeu, je t'avouerai que j'ai fait « Ouh, ah, ouais, bon, qu'est-ce que ça va donner ?» Qui est-ce qui va contrôler Brad Pitt ? Personne ? Non ? Ok, nickel, ça va. Et on recommandera le livre, par contre, qui est excellent. Ouais, le livre, par contre, a l'air pas mal, mais inadaptable, visiblement. Ouais. Alors, pour revenir directement au jeu, c'est un jeu qui a été offert, en fait, il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises, sur l'Epic Game Store. Ça, c'est vraiment cool, par contre. C'est comme ça qu'on a pu le tester avec Arthur. Guillaume, je sais plus si tu avais joué avec nous, toi, je me rappelle. Non, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore. Mais il faut qu'on le teste ensemble parce que c'est vraiment cool. Donc, c'est un jeu, en fait, c'est du PVE. Hein. Donc, c'est du player versus environment. Donc, en gros, vous êtes sur une carte, vous avancez, vous devez buter directement, en fait, tous les zombies et tout ça. On dira actionner certaines portes pour avancer et ainsi de suite. Et alors, si, je sais pas si vous avez joué déjà à Left 4 Dead, mais voilà. Il y a un bestiaire en fait de zombies spéciaux en plus des zombies classiques qui sont clairement très très inspirés de Left 4 Dead, notamment on va dire avec les noms, le Hunter, celui qui va te sauter dessus à distance, un genre de boomer dans Left 4 Dead, c'était un gros comme ça qui faisait des bruits, tu l'entendais au loin, qui faisait blablabla. Ben là en fait c'est juste un mec qui porte une combinaison qui va exploser. Non, pas du tout. Ah bon? Ça, bah, tu parles de combinaison là. Non. Qui t'attrape? Mais je parle pas du même là. Ah, là, pardon. Je te parle de celui qui est en jaune avec sa combinaison, que quand tu le tues en fait, il explose. Ah, et, oui, bien sûr. Il y a un poison dans l'air. T'as le flic là qui avec sa combinaison et qui te prend et qui t'explose au sol. Ça, c'était dans Left 4 Dead 2. Et bref, il y a tout un tas en fait de zombies spéciaux comme ça qui peuvent vous faire un peu plus de mal que les zombies classiques. Et surtout, le gros point positif du jeu, c'est les vagues de zombies qui sont extrêmement bien fichues dans le jeu. C'est ultra impressionnant, ça. C'est vraiment, ils arrivent comme ça. Gestion des foules. Et... En fait, c'est des. T'arrives en fait sur une zone. Te demande en fait de préparer directement, on va dire, l'invasion de zombies, parce que voilà c'est scripté, hein. Et une fois que tu places tes pièges, que tu débloques certains trucs, certaines mitrailleuses spéciales que tu peux placer directement à certains endroits spécifiques du jeu, bah il y a les zombies qui arrivent par vagues. Et si tu fais comme Arthur et que tu suis pas tes potes, tu te trouves au milieu de la vague et tu fais, oh les gars, je comprends pas pourquoi je suis mort. Voilà. C'est comme pour faire une comparaison qui a pas grand chose à voir, c'est un petit peu comme dans le Roi Lion quand il y a les gnous qui courent, c'est à peu près la même idée. Et c'est ça, moi qui suis au milieu, c'est, et d'ailleurs ça sur la gestion des foules, c'est quand même un truc que j'ai jamais vu dans un jeu. C'est quand même l'un des jeux où j'ai vu le plus d'ennemis simultanés qui font vraiment corps, quoi, puis qui vont grimpent, avoir leur gamme d'attaque. Ils grimpent, et ce qu'il y avait dans les films World War Z et puis dans l'idée de World War Z, c'est justement qu'ils font une espèce de corps unique en faisant des échelles entre eux où ils vont s'entasser. S'il y a des barbelés, ils vont tous rentrer dedans, puis à un moment ils grimperont au-dessus des cadavres de leurs compères. Et ça, c'est très impressionnant avec. Il y a le petit aspect technique par rapport à ça, justement. Tu jettes une grenade en bas, en fait, tu vas péter la pile. Voilà, ils vont mettre un peu de temps directement. À se reconstituer. C'est vraiment le point fort du jeu. C'est ça, c'est ce qu'il apporte par rapport à un Left 4 Dead. C'est ça, c'est la gestion des foules. Par contre, là où il est peut-être sans doute moins subtil, d'ailleurs, Left 4 Dead, ils frimaient beaucoup à l'époque sur leur système de destruction des zombies, où ils disaient qu'il y avait je ne sais plus combien de milliers de possibilités quand tu tirais sur les zombies, de les démembrer, histoire que l'expérience soit toujours d'une richesse inégalée. Là, c'est quand même
ce que je reproche pour le moment, on n'a pas fini le jeu, mais bon, on a fait quand même pas mal de missions, c'est que c'est quand même moins subtil qu'un Left 4 Dead. Ces idées des ennemis dont tu parlais, Benoît, ils sont là pour générer le team play, quoi. C'est-à-dire pour que si tu t'éloignes un peu trop, il y a un ennemi qui te chope, et donc les autres sont censés venir tirer sur lui pour te dégager en fait de ton adversaire. Pareil avec les gros qui t'attrapent, les flics qui te mettent au sol. Mais c'est en fait c'est pas un gilet jaune, les gars. C'est tout le temps c'est ça. Oui, bah ils courent tout droit et ils se jettent dans les murs. On aimerait bien avoir des CRS comme ça chez nous, hein. Et en fait, là, il est pas super subtil. Enfin, pour pas dire qu'il est pas subtil du tout, c'est qu'en fait, tu vas pas t'amuser à viser ou à viser bien. En fait, tu vises pas vraiment. Il y a tellement d'ennemis en fait à l'écran. Ah, mais c'est tu pas peux voulu. Avoir un, tu peux avoir une idée un peu de répétition assez vite. Et moi, je me demande quelle est la rejouabilité par rapport à un Left 4 Dead. Tu vois, où il y avait énormément de combinaisons possibles. À l'intérêt d'un Left 4 Dead, c'était aussi d'avoir le côté PVP, tu vois. Le fait de pouvoir jouer directement les zombies infectés et de synchroniser les attaques et tout ça, c'était cassé du coup le côté, tu pouvais être surpris quand t'as une sorte de sauter dessus. Là, c'était pas une IA, quoi. On va y jouer 5 heures et puis on aura fait le tour, hein, c'est clair et net, quoi. C'est ça, du mode de vie qui semble, à mon avis, beaucoup plus faible, même si tu peux, disons, faire en sorte que tu puisses débloquer des choses quand tu refais des missions. Il y a ce point-là que je trouve qui est peut-être dommage, c'est quelle sera la rejouabilité quand tu recommences, parce que si tu meurs, tu recommences la mission complète. Et donc comme il y a une petite part de la difficulté en fait, scénarisation et de difficulté aussi qui est pas très bien calibrée, parce qu'en normal c'est presque facile et en difficile c'est presque trop, en tout cas au début. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est sur là-dessus en fait qu'ils vont jouer pour la rejouabilité. C'est comme pas mal de jeux type j'en sais rien, bah, tous les jeux comme où tu dois récupérer du stuff sur les gus pour améliorer en fait Divinity ou alors directement le jeu Ubisoft The Division et tout ça, tu vois, où tu refais à chaque fois les mêmes types de missions pour récupérer du matériel supplémentaire qui va là tu récupères de l'argent une fois que tu termines les missions qui te permettent d'améliorer tes flingues, qui te permettent aussi de personnaliser ses personnages. Il y a un système de classes qui est, je crois que t'as 5 ou 6 classes différentes qui te permettent justement de ils ont chacun leur spécialité, hein. Par exemple, moi hier quand on jouait, c'était j'avais un médecin, comment je soignais directement Arthur, ça me redonnait 20% de vie en plus. Mais tu vois, peut-être que je trouvais un peu dommage, c'est qu'au niveau du teamplay, c'était pas des classes. Après, c'est un peu, on sait que c'est compliqué ce genre de jeu. C'est un peu comme quand ils avaient sorti Evolve. S'il y a des classes qui sont vraiment beaucoup trop différentes, bah le problème c'est que le jeu il devient plus compliqué. Il devient plus complexe, mais plus compliqué aussi à assimiler pour le bonhomme qui veut jouer. Là, oui, il y a des classes, mais elles vont pas t'apporter un avantage de dingue. C'est un pourcentage de dégâts en plus ou qui va te donner un truc. Donc c'est pas dingue. Et en même temps, il y a un autre truc que je trouve vraiment dommage par rapport à la réussite globale graphique. Tu vois, quand t'as les vagues de zombies qui t'arrivent en pleine tronche, c'est le punch des armes. En fait, elle manque de punch, en fait. Tous tes flingues tirent ultra vite, qu'il s'agisse de ton pistolet silencieux ou quoi que ce soit, ou ton fusil à pompe, tu tires vraiment très vite. Bah oui, effectivement, t'as quand même des vagues qui sont importantes en face de toi. Mais la puissance de feu, elle est pas forcément dingue. Au niveau sonore, t'as pas l'impression... Ça dépend, quand même. Ouais, mais t'as pas l'impression. Je suis d'accord avec toi. Que tu prends un fusil à pompe, par exemple, t'as pas l'impression d'avoir un pompe dans les mains, quoi. Non, il est pas percutant, quoi. Et c'est dommage parce que ça, c'est quand même important d'avoir l'impression de bien répondre. Mais le fusil de sniper, quand tu leur tires dessus, t'as un fusil de sniper avec des cartouches, ça va être au moins des obus, hein, qu'ils doivent mettre dans chaque. Parce que quand tu tires, t'as l'impression que tu balances une roquette, en fait, sur les obus. C'est un truc de malade, hein, sans c'est tellement ça, ouais. Tu fais, waouh, mais c'est quoi ça? Tu t'en sers même pas pour sniper, en fait. Tu tires. Un sniper anti-char, on va dire. C'est ça, c'est un truc de fou, quoi. Après, l'intérêt du jeu, c'est que c'est encore une fois le jeu où ils vont te rajouter du contenu au fur et à mesure, en fait, de la durée de vie du jeu. Là, ils ont annoncé, en fait, qu'il allait avoir une ville supplémentaire. C'est, je crois, Marseille, si j'ai pas de bêtises, avec sûrement encore d'autres trucs en plus. Donc, c'est un jeu qui, au bout d'un moment donné, oui, tu vas en faire le tour et tu peut-être dessus tous les 3-4 mois. Il est pas mauvais, hein. Il est sympathique, et on le conseille. Après, de la conseiller à un achat, c'est encore différent, mais il est sympathique. C'est sympa. Bien parce qu'il est gratuit. Hein. Mais ça, ça sera pas un jeu culte comme Left 4 Dead, quoi. Faut pas s'attendre à se dire, je vais jouer à un Left 4 Dead. C'est pas du Left 4 Dead. Ils se sont inspirés, en fait, de Left 4 Dead pour quelques classes. C'est clairement pas. Oui, ils ont picoré un peu partout quand tu regardes. Hein. C'est un peu du The Division mixé avec du Left 4 Dead pour les zombies spéciaux. C'est vrai. C'est un jeu sympathique à jouer. Vous faites un peu tout leur atelier, ça manque un poil d'identité, voilà. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Gloobie Boulga. Gloobie Boulga, il fallait le placer. Mais ouais.
Est-ce que c'est autre chose à rajouter là-dessus? Non. Écoute, non, c'est bon. Sur World War Z, en tout cas. On fait que des jeux très testostéronés, hein. Vous remarquerez exactement. Quand même, hein. C'est. Allez, ça a contrasté avec les suivants, Oui. C'est ça, exactement. Allez, on va passer à la Frostpunk. Du coup, retour. Arthur. Yeah, Frostpunk, ça y est, on parle d'un jeu. Arthur, on parle d'un jeu polonais. C'est parti, hein. Tu vois, peut-être nous en parler. Alors, Frostpunk, c'est un jeu de gestion, gestion survie, qui a été développé, du coup, par le studio, donc, 11-Bit Studio, donc, studio polonais. Et ils avaient bien fait leur petit effet quand ils l'avaient annoncé qu'il était sorti en 2018, puisqu'il y a eu toute une vague, de personnes qui ont streamé le jeu, dont le joueur du grenier et tout un tas d'autres personnes. Donc, il a eu un petit succès comme ça, de bouche à oreille. Alors, pour expliquer concrètement ce que c'est, la fin du monde. Alors, vous voyez, on reste dans les mêmes thèmes. Ouais. Et moi, en fait, on retourne à l'ère glaciaire, et donc on commence avec une petite colonie de peut-être 50 personnes autour d'un générateur qui génère de la chaleur et qu'il va falloir maintenir en activité pour qu'on ne crève pas de froid. Le but étant dans cette cuvette, hein, ça va pas plus loin qu'une cuvette, hein, donc c'est une cuvette dans laquelle on est avec ce générateur. C'est un jeu inspiré de la Lorraine, quoi. Ouais, c'est exactement ça, on se croirait dans les mines, hein. Si vous aimez le sujet, c'est exactement ça. Et donc, nous, en tant que Lorrain a guéri, donc on joue là-dedans et on doit générer la colonie en tant que dictateur, si vous voulez, ou en tout cas, homme fort, on va dire, selon ce qu'on va adopter comme système. Notre population, faut la loger, donc il faut lui fournir des maisons et on a plusieurs éléments, plusieurs paramètres, comme tout bon jeu de gestion à gérer, qui vont être le froid. Donc le froid, s'il y a trop de froid, ça va générer des maladies. Si on n'a pas d'hôpitaux, tiens, si on n'a pas d'hôpitaux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on n'a pas de masque et d'hydrogel et de test au Covid, que se passe-t-il, Jamy? Eh bien, les gens meurent dans les couloirs, on meurt dans les rues, comme ce qu'on peut voir actuellement en Équateur. Donc comme quoi, c'est un petit écho avec ce qui se passe maintenant. Donc il faut gérer tous ces paramètres. Est-ce qu'il faut avoir des services publics performants, avoir des hôpitaux, des maisons? Des foyers de chaleur qu'on va construire. Calme-toi, Mélenchon, détends-toi. Bien réfléchir, du coup, à tout ce qui est développement de tes technologies pour pouvoir, par exemple, faire des expéditions en extérieur qui vont te permettre de ramener, par exemple, de nouveaux survivants et de décider, ben, quand on a des survivants, c'est un peu comme un livre dont on est le héros, on va dire, est-ce que je les laisse entrer dans ma cité ou non, hein, sachant que des fois, quand on fait entrer 50 ou 100 personnes d'un coup, c'est 50 ou 100 personnes qu'il va falloir et nourrir, et loger, et éviter évidemment qu'ils fassent rébellion contre vous. Parce que c'est ça, ce système, il y a un système de loi qui, du coup, est en parallèle du jeu. Donc le chrono est lancé, hein, il y a un chrono en temps réel, et on a un système de loi, de table des lois, où on peut faire une loi tous les 24 heures, grosso modo, et qui va du coup pouvoir répondre... aux objectifs d'urgence, d'urgence sanitaire, un peu comme maintenant, par exemple. Et donc, on va pouvoir empêcher les gens de se réunir, on va pouvoir mettre des gardiens de la foi qui vont redonner de la foi, ou des flics partout qui vont empêcher les gens de sortir, ou quand ils veulent plus travailler, on les fera travailler, par exemple, 60 heures. Arthur, ça commence à se voir beaucoup, là, quand même. Non, mais c'est finalement, quand tu y penses, c'est là que tu te dis que c'est vraiment bien fichu, c'est que tu gères la gestion de crise en te disant bah, quelle liberté tu vas limiter ou tu vas augmenter, sachant que tu as ces deux jauges constantes qui vont être l'espoir et le mécontentement. Donc, si ton espoir est trop faible, tu perds. Ils vont te laisser 24 heures pour faire un putsch pour que tu résorbes la situation. Enfin, si tu la résorbes, si tu la n'arrives pas à la résoudre, eh ben ils vont te foutre dehors, quoi. Game over. Ou alors, tu as la jauge de mécontentement qui fait que s'ils sont trop mécontents, donc si tu leur tapes trop dessus, par exemple, ou que tu leur laisses pas assez de liberté, ils vont également te laisser 24 heures pour résoudre le problème, ou alors ce sera game over. Alors, faut constamment jongler entre l'espoir et le mécontentement pour être plus ou moins un bon dirigeant, parce qu'un despote peut très bien réussir, hein. Et donc, il y a ces deux axes qui vont se dessiner tout au long du jeu, où tu vas, entre guillemets, choisir à un moment la foi. Donc, tu vas, entre guillemets, nourrir des espèces de sectes, hein, de religions bien intégristes, on va dire. Franchement, typiquement ce qui se passe au Brésil maintenant. Ou alors, tu choisis un schéma autoritaire classique, mode Chine, quoi, où tu vas régler absolument tout ce qu'ils vont faire, les forcer à travailler, les empêcher de se rebeller, en construisant des prisons, par exemple, et ce qui donne lieu à des situations vraiment vraiment originales. Et en fait, la vraie question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as fait travailler les enfants ou pas, du coup? Oui, bien sûr, il faut faire travailler les enfants, faut le savoir, hein, c'est important en période de crise que non, mais c'est vrai, parce que dans le jeu, en fait, c'est un choix, en fait. Il y a beaucoup de choix, en fait, moraux, comme ça, qui vont se poser.
dans le jeu, à un moment donné, c'est voilà, forcément il y a du froid, bah il y a des mecs qui vont avoir de la gangrène, et est-ce qu'on les ampute, est-ce que une fois que ou est-ce qu'on les tue, est-ce que qu'est-ce que tu fais avec les personnes qui sont amputées, est-ce que parce qu'elles vont commencer à avoir une dépression, est-ce que tu crées un cimetière, est-ce que tu crées directement un endroit pour créer directement en fait des bras artificiels ou des jambes artificielles pour les personnes qui ont été amputées, tu vois, pour qu'ils puissent devenir tu peux même faire de l'engrais avec tes mains si tu choisis si tu vas loin dans l'horreur. Si tu décides la valorisation, de pas respecter ça, c'est les cool. cadavres, c'est exactement ça. C'était quoi, à un moment donné, la bouffe aussi, carrément, en fait, tu pouvais mettre carrément, en fait, du sciure, de la sciure directement, en fait, dans la bouffe. De bois. Bon, c'est la sciure et pas du cyanure. Hein. c'est vraiment c'est un drôle peu les deux, parce hein, que... L'arbre logique que tu peux faire des lois, il y a entre guillemets des anomalies, c'est un peu marrant parce que pareil, moi à un moment c'était le bordel, il y avait plus d'espoir et compagnie, j'avais beau être dans un régime religieux, j'ai quand même relancé les prostituées dans les bars et ça allait nettement mieux. C'était facile. À un moment où ils voulaient me putcher aussi, c'est assez simple, hein, je pouvais plus laisser les gens dans mes usines parce qu'ils crevaient de froid, ils étaient pas assez proches des générateurs et j'avais plus assez de charbon. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, écoute, ça suffit maintenant. J'ai construit plus de prisons et toutes mes unités de production, je les ai foutues dans les prisons pour qu'ils mettent les gens dans les prisons et pour réduire le mécontentement. Alors, bilan, je m'en suis sorti à l'espace de 10 minutes. Après, ils m'ont quand même fait un putsch. Mais ça et donne après, vraiment lieu à des situations Macron, très différentes. T'as aussi tout un tas de systèmes qui font que chaque partie est quand même assez différente. En tout cas, on peut facilement y jouer une cinquantaine d'heures et avoir l'impression que les parties se renouvellent sans forcément faire la même chose. En développant certaines technologies, on peut avoir accès à des automates, des robots, entre guillemets, qui vont collecter des ressources pour nous et qui vont être vraiment essentiels au moment où, en fait, la température va chuter extrêmement bas, à moins 150 degrés, par exemple, et où là, vous vous doutez, plus personne... Encore une fois, un peu comme maintenant, si les usines de production s'arrêtent, il y a des pénuries, il y a des gens qui vont crever de faim, les hôpitaux peuvent plus travailler. Ce qui avait l'air bien avec ce jeu, c'était parce que les développeurs, c'est eux qui avaient aussi fait This War of Mine, que j'ai pas fait, mais qui est censé être assez touchant. D'ailleurs, c'est les développeurs de Frostpunk, donc et This War of Mine, qui disaient dans une interview qu'ils avaient fait le jeu avec tous ces choix pour que justement on interroge constamment ce qu'on fait au niveau moral. Et ils avaient dit cette phrase qui m'avait marqué dans l'entretien. Qui disait que de nos jours, en fait, il y a tellement de jeux, etc., et puis qui rentrent en fait dans un moule de consommation où on pense en fait au niveau des ventes en amont lorsqu'on est en train de créer l'œuvre. Et il disait que de nos jours, à force de vouloir faire des jeux pour tout le monde, les jeux ne s'adressaient plus à personne, et que c'est pour ça qu'ils aimaient avoir ces partis pris moraux dans leurs jeux. Ils ont entièrement raison. Peu de jeux finalement. Ouais. Ça va vraiment une identité très particulière. C'est juste parce que c'est vraiment ça. Tu te poses tout le temps les questions, et comme t'as vraiment le chronomètre qui est en même temps, t'as vraiment la question du bon leader, et soit t'opères en Machiavel, soit t'essayes d'être sympathique, mais c'est compliqué à un moment. Plus la crise devient compliquée, plus vont se poser certaines questions, et effectivement, ça t'interroge toi-même sur ta dose d'acceptation si tu joues, entre guillemets, sérieusement. Ça, on va dire, c'est un petit peu comme un tropico de crise, moins le côté rigolo. Et je ceux qui que connaissent même... tropico, c'est quand on contrôle un dictateur cubain qui doit gérer, du coup, les contestations aussi. Mais je pense que tu peux, quand tu regardes en fait tes parties après et tous les choix que t'as fait, tu peux vraiment t'interroger par rapport en fait à ta propre personnalité. Et... Parce que franchement, quand tu regardes. Mais je crois qu'ils te disent que ce qu'ont fait les autres aussi. Ouais, voilà. T'es avec des je crois qu'ils te disent les autres ou... ce qu'ils ont fait. C'est là que tu réalises à quel point t'as été un tyran. T'es un enfoiré. Ou... À la fin, quand tu réussis, et si, quand tu passes là, tu sais pas du spoil, hein, mais je dis, tu vas avoir une tempête qui va durer 3-4 jours. Et cette tempête est extrêmement compliquée parce qu'il fait super froid et que ça va mettre à l'épreuve tes services publics, on va dire, et voir combien de temps ça va durer cette période-là. Et une fois que tu l'as fini, il faut un résumé, en gros, de ce que tu as fait via tes lois et compagnie, et quel est le régime que tu as instauré. Et ils te disent au prix de combien de sacrifices est-ce que ça en valait la peine. Tu préserves l'humanité, mais jusqu'à quel stade? C'est vraiment le thème principal du jeu. Et vraiment, je le recommande parce que j'ai... Il a l'air très très bien. Moi, j'ai joué, allez quoi, 4-5 cassé, donc largement moins que toi, mais ça m'a donné vraiment envie de continuer l'expérience, parce que je te dis, c'est vraiment le fait d'avoir tous ces choix, et tu pourras c'est jamais prendre fait. Que des bons choix, en fait tu seras obligé à un moment donné d'être un enfoiré, quoi. Tu peux pas faire que quelque chose de cool pour tout le monde, parce que c'est pas comme ça qu'est la vie, quoi. Tu peux pas tu prendre peux que des bonnes décisions, la casse, tu vois, à un tu moment, peux mais tu peux pas être c'est pas possible.
Bah, c'est vrai, c'est ça, ce qui est rigolo, c'est quand on parle de ça, les questions que ça te fait te poser, là, puisque c'est d'actualité, c'est un petit peu comme si maintenant, si le confinement, il durait 2 ans, mais faut être certain qu'il y aura des fous furieux dans les rues avec des croix, qui prêcheront la fin du monde et l'apocalypse, et il faudra gérer ça. C'est déjà le cas, en même temps. C'est déjà, dans certains pays, c'est le cas. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui se replient sur la religion, il y en a d'autres qui se replient sur la sécurité, il y en a d'autres qui se replient sur la liberté et la fraude. Enfin, on voit bien. Et d'autres sur la bouffe, comme moi. Ouais, d'autres sur la bouffe. D'autres sur les jeux vidéo. D'ailleurs, l'OMS recommande de jouer aux jeux vidéo en ce moment. Donc, sachez qu'on fait que suivre les recommandations de l'OMS en jouant 25 heures à Frostpunk en 3 jours. Mais bon, voilà, ça permet de se poser des questions et c'est suffisamment original pour pas avoir forcément d'équivalent dans le domaine. Et si je dis pas de bêtises, ils ont sorti plusieurs DLC pour le jeu, dont un où c'est carrément en fait l'opposé de ce qui se passe actuellement. C'est carrément en fait après, on va dire, je sais pas exactement au niveau de l'histoire comment ça se passe, mais j'ai pas vu trop s'ils ont déjà balancé les trailers, même si le DLC est déjà sorti. C'est sûr sorti, mais j'ai pas fait mon DLC encore. Hein. T'as un DLC en fait carrément en fait où il fait beau. Alors, je trouve, je dis ok, d'accord. Bon. Ouais, ça, quel est l'intérêt en fait s'il fait beau. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, le jeu, il est vraiment cool. N'hésitez pas, en plus, il faut avoir le cœur bien accroché quand même, hein. C'est pas donné. Tout le monde pourra pas y jouer non plus. Et c'est un stress constant, hein. C'est vraiment un jeu où, quand je me rendais compte qu'il y a des fois où j'ai dû jouer 8 heures d'affilée. Parce que, en fait, avec le chrono qui a lieu en constamment et ces jauges qui diminuent, qui augmentent, à chaque moment où tu as l'impression que tu commences à maîtriser la situation, se pose une nouvelle question. Et c'est un peu comme toute civilisation qui se repose sur ses lauriers à un moment, elle risque de s'effondrer. Si tu te reposes sur ce que t'as à un moment, disons, bah oui, ça suffit. Bah, il suffit d'une grosse vague de froid 3 jours pour réaliser qu'en fait tous tes services sont. Arrête de voir les mecs qui sont jamais en Lorraine. Nous c'est tous les jours qu'on a une semaine de froid. Les hivers lorrains, on connaît chez nous. Eh oui, on connaît. Pas nous emmerder avec leur jeu là. Voilà, n'hésitez pas. On recommande en tout cas si vous voulez vous lancer. Vous avez le temps en ce moment, donc n'hésitez pas à jouer à Frostpunk. En jouant, ouais. Un jeu qui vous veut du bien. C'est ça. Un jeu qui vous veut du bien pour le moral, c'est parfait. C'est nickel. On a parlé que des jeux, en fait. Ouais, hyper positifs. Ouais, des jeux pas du tout violents, des jeux, en fait, où t'as envie de te suicider, des jeux, ouais, voilà. C'est soit ça. Tu tues des zombies, soit tu tues ta population, soit tu retues des zombies, soit tu tues des démons. Merci, ouais, c'est ça. Bon, c'est pour ça qu'on va parler de choses un peu plus douces et sereines avec Animal Crossing. Oh, mais tu veux casser l'ambiance aussi, là. C'est marrant, là. Tout de suite, voilà, tu ramènes tes jeux mignons et colorés. C'est ça, des jeux mignons et colorés, donc avec la patte, effectivement, défectible de Nintendo, hein, où il n'est même pas question d'enlèvement de princesse ou de rechercher. Enfin, voilà, alors, on est vraiment dans un jeu flat, hein, j'ai envie de dire, où il se passe au final, en fait, pas grand-chose, hein. Où on se fait avoir par un espèce de petit raton là qui qui nous spolie, un vrai capitaliste d'ailleurs. Des crédits sans rien foutre d'ailleurs, hein, au passage, puisqu'il te dit de faire. Lui, il fout rien, il te félicite, mais qu'est-ce qu'il fout lui dans cette île? Il fait pas grand-chose. Hein. Voilà, je veux bien donc bien entendu parler d'Animal Crossing, sorti sur Switch en mars dernier, et qui est donc finalement en fait un jeu hyper passionnant, hein, au demeurant. Comment décrire Animal Crossing en fait? C'est ça qui est un peu. Donc c'est pas. C'est marrant parce que si tu tapes ça sur Google, ils vont te dire que c'est un jeu de simulation de vie, ce qui me fait rire comme terme. Parce que si la vie était comme dans Animal Crossing, tu secoues des arbres, il y a du fric qui tombe. Je vous le dis quand même. J'ai déjà essayé, ça marche pas comme ça chez moi. Attendez, je reviens, les gars, il y a un arbre dehors de chez moi. Tu vas en forêt, tu reviens, t'es riche et tout. C'est des quadrilles. Il y a juste des oiseaux morts qui tombent. Il pousse 3 fois la somme que tu as plantée aussi, ça c'est pas mal. Non, mais c'est ça, c'est Animal Crossing, c'est une simulation de vie sur un jeu dans lequel l'accent en fait est plus mis surtout sur la personnalisation et sur le de son la décoration de sa maison, etc. Son environnement, surtout de son île. Voilà, de son environnement, c'est ça. Est-ce que c'est ton premier Animal Crossing, au fait, Snippies? Ben oui, alors moi. Il est tombé dedans. Il est tombé dans le chaudron. Faut revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, moi, Nintendo, globalement, j'y joue jusqu'à la Nintendo 64. Et puis après, il y a eu une grande période de blanc, quoi. C'est Animal Crossing qui te fait revenir à Nintendo, alors? En fait, non. Alors, pour tout vous dire, c'est le confinement qui m'a fait revenir à Nintendo. Puisqu'en gentleman que je suis, j'ai offert donc la Switch version Lite à ma compagne pour Noël. Et donc, avec le code jeu, en l'occurrence, pas des moindres, évidemment. Et donc, en fait, au début du confinement, là, je me suis mis à Pokémon Bouclier. Ah, ça y est, c'est un vrai Nintendo addict maintenant. Que j'ai torché, non mais c'est véridique, hein, que j'ai torché en 3 ou 4 jours, hein, enfin bon bref.
Voilà, et donc au final je me suis dit bon, c'était fin mars, je me suis dit on va quand même essayer, tout le monde parle de cet Animal Crossing, mais sans jamais avoir joué à ce jeu, sans jamais à quoi ça faisait référence. Je savais que c'était la troisième version, si je dis pas de bêtises, hein, puisqu'il y en avait eu, il me semble, deux autres, hein, une sur Wii et une sur... Il y a une version sur téléphone portable aussi. Voilà, quatrième version, cinquième si tu comptes le... Ça a commencé sur 64. Ouais. Ah, sixième alors, avec la 64. D'accord, j'avais, ok, j'avais, ouais, je sais, même pas, tu vois. Ça y est, la Confinement Edition, elle est pas... C'est le DLC qui va sortir bientôt là. Et donc du coup, maison. Je me suis dit bon, allez, je vais investir dans une période où finalement je me disais que ça serait difficile de le trouver. Puis figurez-vous, j'ai trouvé ça dans l'hyper dans lequel je travaille, Hyper U. Je salue d'ailleurs les prix puisque je l'ai touché à 45€, ce qui est quand même inédit. Parce que toi aussi, quoi. T'étais africain du Sud à ce moment-là. T'étais en Afrique du Sud. Non, même pas. Hein. J'étais achat physique, hein, mais voilà. Ah ouais, tiens, bien. Et donc 45€ le jeu physique, honnêtement, voilà, je me suis dit bon, parfait. Et puis à partir du moment où je m'y suis mis, je crois que j'ai enchaîné, mais comme ouf, quoi. T'en as combien d'heures? Je sais pas précisément, mais je dois être aux alentours de 50-60. Je suis pas non plus un énorme joueur, hein, mais ça fait quoi, 3 semaines que je l'ai à peu près. Là, j'ai un peu levé le pied. En fait, j'ai un peu levé le pied de manière involontaire, puisque en fait, le jeu est pas... voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'inverse, c'est ça ce qui est rigolo. C'est que moi, ma copine a vu un meme sur internet, et puis un matin, de bon matin, parce qu'on est très matinaux, c'est ainsi, elle se réveille, elle me dit, viens, ça te dit pas qu'on prenne Animal Crossing. Du coup, on a fait moite-moite, j'ai payé chacun la moitié du jeu, et j'ai pas touché au jeu depuis. Elle a joué, je crois, au moins 70 heures. Et attends, parce que c'est ça la question que je vais te poser, Snippies. Est-ce que toi aussi, c'est la guerre dans ton village? Parce que, en fait, maintenant, par rapport aux anciens, quand t'as qu'une Switch, tu es dans le même village que l'autre. Moi, je suis dans le village de Chickenheim, et c'est la guerre, elle me laisse rien faire. Alors, en fait, moi, le truc, c'est que j'ai tout fait, hein. C'est-à-dire que j'ai fait la mairie, les maisons, inviter les gens, le camping, machin, tout quoi. Je suis pas encore allé beaucoup plus loin, parce que là, maintenant, il y a quand même des étapes supplémentaires à faire. Mais donc, elle est arrivée sur mon île. Nous, moi, je pensais, en fait, que, innocemment, que quand tu avais le même jeu sur la Switch, mais que tu changeais de compte, tu pouvais avoir ta propre partie. Mais en fait, non. Je pensais aussi, ouais. Tu arrives sur la même île, et donc, effectivement, et alors, comble du truc, c'est que elle pêche, elle a des tons, des machines, des scies, des mis, des trucs de ouf. Et moi, mais j'ai que dalle. Ah bah oui, non, mais elle prend tout, après elle va prendre tous les fruits sur les arbres et tout, c'est dangereux. Et puis attends, moi c'est pareil, je te dis pas les menaces de mort que je reçois dans ma boîte aux lettres, hein. C'est du voisinage, mais quoi. Elle est d'origine algérienne, alors paf, le drapeau algérien à la mairie, je te dis pas les putsch, j'ose plus rien faire. Dur. Non mais en vrai c'est hyper intéressant de jouer à ce jeu en couple comme ça quand t'es sur une même île. Je trouve que ça c'est marrant et pas en même temps, en fait. C'est super rigolo. C'est assez drôle et donc voilà. Après, les objectifs, c'est effectivement, il y a rien de transcendant, quoi, hein. On récolte des matières premières qui sont transformées, qui peuvent faire l'achat d'objets totalement inutiles de décoration. Mais c'est ça ce qui est rigolo, c'est mais qu'est-ce qui te donne envie de continuer à jouer au jeu? C'est ça, moi, qui me... Ben, c'est marrant, quoi. C'est juste, je sais pas, c'est marrant, quoi, en fait. C'est la customisation, c'est le petit rythme de chaque chose change, de la météo aux habitants qui vont venir, à une petite connerie qu'ils vont te dire en plus, voilà, quand tu vas leur parler. Dire, tiens, aujourd'hui, je vais aménager cette zone-là de l'île, ou, bah, tiens, je vais m'acheter un billet. C'est surtout qu'Animal Crossing, c'est vraiment modulable. Moi, je sais que j'avais beaucoup, beaucoup joué à celui sur GameCube, et puis j'ai beaucoup, beaucoup joué à celui sur 3DS. Là, celui-ci, j'ai même peur de tomber dedans, je préfère pas y toucher, parce que ça prend trop de temps après. Mais c'est clairement une expérience qui est modulable, et surtout ce sentiment que même quand la console est éteinte, les habitants, le village, ça vient leur vie, en fait, sans toi. Par exemple, si tu lâches le jeu pendant un mois, il y aura plein de hautes herbes, les animaux, ils vont t'engueuler, ils vont te dire que tu m'as abandonné ou quoi, c'est quoi ton problème, tu nous laisses. Si tu quittes le jeu sans sauvegarder, il y a une taupe dans celui-ci, je sais pas, mais je veux dire, qui vient te harceler, qui t'explique que tu peux pas quitter sans sauvegarder, sinon ça veut dire que t'as annulé des tranches de vie des personnages qu'il y a dedans. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est prenant, et en fait, tu peux très bien te faire une petite partie de 20 minutes, mais si tu veux, tu peux jouer 6 heures. Tu pourras peut-être faire ça à un moment, ça perdra beaucoup, du contenu, mais c'est que tu en fais ce que tu veux. Typiquement, c'est un jeu que t'as envie de lancer le matin 20 minutes, le soir 1 heure. Si une après-midi, t'as envie de jouer toute une après-midi, tu peux très bien décider de refaire toute une section de ton village, de replanter les arbres. C'est ça qui fait ça rythme un peu ton quotidien, quoi. Tu vas te dire, par exemple, le matin, je vais regarder. Non, mais c'est le parfait compromis entre un jeu mobile que tu pourrais jouer sur ton téléphone vite fait 20 minutes, quoi, et puis ça te donne, voilà, et puis le vrai jeu un peu hardcore, en fait, vraiment, même vraiment hardcore, parce que t'as des mecs, enfin, moi je pense à Zerator, hein, qui est un streamer très connu, hein, un pro gamer
averti, qui a pas fini le jeu parce qu'il a pas fini, mais enfin qui a 50 millions de clochettes en banque, enfin le truc de ouf quoi, et le mec il voilà quoi. Alors après il y a des tactiques hein. Oui, avec la vente de navets. Avec les navets. Ouais, c'est, en fait, c'est rigolo parce que c'est une espèce de... Il y a quand même le côté espèce de parodie quand même de notre système parce que c'est quand même assez marrant. Clairement. Le premier truc qu'on te dit de faire. Alors Tom, le premier truc que tu fais, c'est que tu t'endettes. Dès que tu as fini ton prêt, il te réendette sans même que tu aies vraiment fait gaffe. Hein, d'ailleurs, ça se fait en deux secondes. Les premiers trucs qu'il t'invite à faire, c'est cloisonner ta propriété. C'est ce que je trouve très drôle. Franchement, Tom Nook, c'est le capitaliste par excellence. Et à la fin, t'as tous les samedis, je crois, ou les dimanches peut-être, t'as aussi quelqu'un qui vient et qui te vend des navets. Et en gros, il t'explique le principe de la bourse en te disant que tu peux revendre les navets à un moment selon les cours du marché, quoi, en gros. Et les navets, ils valent plus ou moins cher selon certains critères arbitraires. Quoi. Et donc, toi, t'en achètes tout un paquet, tu vas les revendre et tu vas te faire une plus-value comme ça, quoi. Sachant qu'ils pourrissent à un moment, ouais, ça, c'est vraiment le principe. Sachant qu'ils pourrissent, ouais. Puis en plus tu vas piller des îles, tu vois, en fait tu prends un ticket pour aller sur une île pour piller quoi. Là tu prends l'avion tout le temps dans celui-là, ça y a plus de problème, c'est la pollution. Tu détruis tout quoi et puis non mais puis c'est ça quoi et puis tu rentres, enfin voilà, c'est assez drôle. Par et contre, puis c'est, les saisons aussi sont vraiment, c'est vraiment fantastique je trouve quand ouais. Tu changes de saison, tu peux très bien jouer là je sais pas 40 heures ou 50 heures en avoir marre du jeu. Puis en octobre prochain, vous repensez à votre village, vous dites tiens, j'aimerais bien aller voir. C'est ça. Puis là, ce sera une nouvelle saison avec des nouveaux insectes, des nouveaux peut-être animaux. Peut-être que certains auront déménagé. Enfin, ouais, il y en a, ils seront vraiment... partis. C'est... Et là, t'as vraiment quelque c'est chose bien. Du coup que dont Snippis pourra peut-être pas forcément parler comme il n'avait pas fait les anciens et qui est vraiment tout à fait nouveau. Et là, j'étais assez surpris, c'est qu'il y a plus seulement les clochettes qui sont l'argent en gros que tu vas débloquer, qui te permet d'acheter des choses et donc de customiser tout ça. Tu customises pas que l'intérieur de ta maison. Maintenant, tu customises vraiment absolument tout. Enfin, tu deviens assistant du maire. Tu vas pouvoir faire des ponts. Si t'as de l'imagination, tu peux te faire une fontaine avec des tulipes autour et tout machin, des néons, un coin barbecue, un coin avec de la musique où tu pourras passer tous tes CD de Tota Keke. Enfin bref, tu peux vraiment choisir de te créer tes petites histoires et tes trucs, même avec les villageois. C'est marrant, il y en a que tu détestes et que tu vas te faire un malin plaisir à agacer. D'autres avec qui tu vas avoir des bonnes relations, alors ça te fait rigoler. Et dans ce nouvel épisode, t'as aussi les Miles Nook qui font que selon ce que tu fais sur l'île, des petites choses que tu vas faire comme pêcher un certain nombre de poissons, tout ça, ça va te donner des Miles, en gros des espèces de points qui vont te permettre de faire par exemple des plans, de réaliser des plans. Et c'est toi-même, en gros, il est un peu do it yourself celui-là, c'est toi-même qui va avoir des idées en trouvant certains objets pour les combiner et pour en créer un nouveau, hein, donc pour pouvoir avoir la possibilité de créer un nouveau truc. Et là, ils ont l'air de s'être dépassés parce que y a l'air d'avoir énormément d'objets. C'est plus seulement avoir du fric et aller au magasin et le faire, c'est avoir fait tout un tas de petits trucs qui vont t'amener à d'autres possibilités. Et ça, ils ont bien l'air d'avoir très bien géré la progression. Pareil, tu vas avoir des petites émotions avec des émoticônes que tu vas pouvoir faire avec les habitants du village, qui vont, tu vas en débloquer progressivement plusieurs. Et je trouve que ce sentiment, ils ont l'air de l'avoir bien retranscrit, de débloquer des trucs constamment, quoi. Enfin, ils ont l'air de tenir en haleine constamment avec tout un tas de petites choses qui vont se passer, plus seulement entretenir le village, avoir tes fleurs, les arroser, enfin, je veux dire, ramasser les feuilles par terre, tout ça. Ils ont vraiment fait beaucoup là-dessus, avec la possibilité, du coup, de visiter d'autres îles mystères, c'est comme ça qu'ils les appellent, avec des ressources que tu pourras amener qui seront rares. Donc, il y a un espèce de côté Minecraft mélangé avec le classique Animal Crossing quoi de base, où tu vas farmer en fait, looter certains trucs aussi que tu vas mettre de côté et qui te permettront du coup de créer un petit peu tout ce que tu veux. Faut voir franchement l'île, une île après 60-70 heures de jeu où elle a plus rien à voir avec une île de départ. Enfin, moi je vois tout ce qu'elle a fait dans le village. Moi, j'ai rien fait. Limite, on me félicite. Je récupère les fruits de son travail. Mais c'est un travail de malade. Tu peux vraiment faire des trucs de fou furieux, en fait. Hein. Et changer constamment à peu près tout. Enfin, c'est vraiment un ovni dans lequel tu vas piocher, en fait, je pense, tout au long de l'année, comme ça, et qui va t'accompagner, et qui va un peu rythmer ta vie et te détendre, zen. Choisir un peu ton objectif. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, hein, le truc, c'est que tu es pas énervé, quoi. Alors, au pire, tu vas t'énerver un peu. Non, parce t'es pas énervé. Un poisson, mais en fait, tu vois, je veux dire, c'est, ouais, c'est pas ou vraiment... parce qu'il y a encore un œuf que tu vas trouver quand tu pêches. Tu vas pas casser ta Switch à cause de ça, quoi. Non, normalement, ça va. Tu restes détendu. C'est vraiment une belle expérience qu'on vous recommande en plein confinement. Pour être honnête, ça détend. Bah ouais, puis ça permet de mieux connaître votre compagnon, savoir ce qu'il est prêt à partager. C'est ça.
Jusqu'où c'est un jeu beaucoup trop positif pour moi dans cette période de confinement. Voilà, désolé. Il n'y a pas assez de sang. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter là-dessus ou... Ouais, est-ce qu'on peut tuer des gens dans le jeu? Est-ce qu'il y a des zombies? Alors, tu peux donner des coups d'épuisette. Bah, tu peux donner des coups. Ouais. Non, mais au pire, tu peux même virer un habitant de ton île, attention. Ah ouais, moi j'ai fait du chantage à ma nana aussi, parce que du coup, il y a une habitante, la bouloche, qu'elle aime bien et tout, c'est un espèce de mouton et compagnie. Et comme j'avais rien droit à le faire dans le visage, je suis allé à la mairie et j'ai voulu râler pour virer son villageois, mais je crois que j'ai eu trop peur des conséquences, j'ai pas osé aller plus loin. Moi, je sais. Moi, c'était dans l'ancien où il y avait une poule qui s'appelait Cucaracha ou je sais plus quoi qui était venue. Et je la détestais. Qu'est-ce qu'elle était chiante. Elle était tombée amoureuse de moi. Ça, c'était sur 3DS. Du coup, sur le panneau du village, j'avais écrit rendez-vous, je sais pas, dimanche à 14h pour une pendaison publique de Cucaracha. Puis je lui avais envoyé des lettres de menaces de mort et tout. Et puis un jour, elle est venue me voir. Elle m'a dit, hey, j'ai reçu une lettre de toi. Et puis elle me l'a lu. Il y avait écrit, j'ai envie que tu disparaisses, etc. Et puis elle m'a remercié. Tu peux lui envoyer un t-shirt avec écrit. Elle m'a remercié parce que le jeu forcément il comprend pas les choses là. Et du coup, ça a donné un côté un peu second degré, super drôle. Je crois que ma copine elle aime pas l'un des habitants. Elle lui a envoyé un knit gap. Hein. Tu vois, c'est tu peux te créer un petit peu tes propres histoires comme ça. Il y a pas débile, par rapport au jeu online. C'est quoi les différences par rapport au... Je sais pas si vous avez tous les deux ou pas. Mais comme j'avais pas joué au dernier qui était déjà online, je sais pas trop. Tu pouvais déjà visiter les villages dans les anciens des autres. Là, tu peux le faire, mais ça a l'air d'être plus développé encore. Oui, c'est-à-dire que tu peux aller sur. Alors moi, j'ai pas exploré ça encore, mais je me suis un petit peu renseigné. On a vu à gauche à droite quelques vidéos. En fait, effectivement, tu peux aller sur l'île de quelqu'un d'autre qui t'inviterait avec son code. Je crois que c'est le code Dodo, il me semble, online qu'on appelle ça. Enfin, je sais plus. Bon. Le code Dodo, c'est Dodo Airlines que tu vas utiliser. Voilà, c'est Dodo Airlines que tu utilises pour voyager. Et donc en fait, effectivement, tu vas d'une île à l'autre et tu peux voilà être même plusieurs sur les îles. Là, tu peux inviter. Tu peux jouer aussi à plusieurs et t'as un leader en gros et toi tu vas suivre l'autre et tu pourras aussi faire tes trucs. Donc ça c'est plutôt cool. Et effectivement, quand tu visites les îles, alors sache Snippis que tu es le bienvenu à Chickenheim si tu veux venir à Chickenheim. Ah oui, avec plaisir. Notre île. N'hésite pas. C'est quoi ton île, toi d'ailleurs? Tu l'as Babao. Babao. Voilà. Je pense qu'on ira se visiter mutuellement, mais j'ai un peu de temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais vous êtes obligé de vous abonner en ligne ou pas Je crois qu'il faut un abonnement. C'est même sûr et certain, puisque j'avais cliqué une fois. Alors, j'ai pas encore activé le mien, j'ai le code. C'est chiant, ça. Mais il faut que j'active, mais voilà. Bon, en même temps, c'est quoi? C'est 12 euros, 13 euros, je crois, 14 euros l'année, quelque chose comme ça. Moi, je sais que quand j'ai acheté le genre dématérialisé, ils ont offert un code. Bon. Ah ouais, non, là, ils nous ont rien offert du tout. Non, c'est non. Nintendo 2020. Au Canada, on a eu un code offert pour un mois. Ah bon? Ouais, maintenant, ils sont bah, c'est vrai que ça peut être super sympa, parce que aussi, dans les anciens, il y avait l'idée de te dire, tu vas dans une autre île, donc là, ça peut être une île mystère maintenant, pour ceux qui n'ont pas de connexion Internet, et tu récoltes un fruit que t'as pas, et comme la rareté crée la richesse, c'est un jeu d'économiste, hein, bah, ouais. Tu ramènes un fruit qui est rare, bah, tu vas pouvoir le vendre plus cher. Donc, tu vas c'était à l'époque, mais j'ai surtout le souvenir sur GameCube, quand c'était des cartes mémoire. Et avec mon ami, il fallait avoir confiance en ton ami parce que tu lui prêtais ta carte mémoire, il la ramenait chez lui un soir et puis il te la ramenait le lendemain. Puis tu pouvais très bien avoir des sales surprises, genre il t'avait coupé des arbres, piqué des trucs, t'avais cassé des trucs. Fallait avoir confiance à l'époque quand tu. Moi, je sais qu'en tout cas, pour qu'elle me supporte sur l'île, tous les matins, je vais lui déposer 100 clochettes devant sa porte pour pas qu'elle me. C'est la mafia locale. Non, mais c'est ça, ce qui est marrant, c'est que tu peux créer tes petits trucs débiles, quoi. Ah, c'est dommage que ce soit pas elle qui nous en parle, ça aurait été marrant. Ouais. Une prochaine fois, vous pourrez contrebalancer mon point de vue. Une prochaine fois. Venez à Chickenheim, c'est tout ce qu'on vous dit. Vous êtes bienvenus. Bon, mais super. Et bien, allez, on va passer à une partie. C'est du rétro gaming. Du rétro gaming, ouais, presque. Hein, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, j'avais envie de parler en ces temps de confinement et surtout d'anniversaire autour de la cathédrale de Notre-Dame et du feu qui l'a malheureusement ravagé, d'Assassin's Creed Unity, qui est sorti. Alors attends, il est sorti quand? Parce que je me rappelle même pas. C'est un des premiers jeux de la génération PS4 Xbox One. Novembre 2014. 2014, voilà. Donc il est sorti en 2014. Ah, il y a deux ans, Arthur. Ouais. Ah oui, c'est les deux. Ça passe vite. Jeune, effectivement.
Et qui est donc effectivement était un jeu un peu transitoire puisque il était sorti enfin il n'était pas transitoire puis il était sorti sur les nouvelles plateformes. C'est ça. Ouais. Mais voilà il y avait quand même. Il était super joli à l'époque. Hein. Moi je après quand j'avais vu les premières images j'ai trouvé ça super. Quoi. Moi je suis encore aujourd'hui étonné de la qualité des graphismes bien qu'effectivement il ait pris un coup de vieux. Hein. C'est un jeu qui a quand même 6 ans donc nécessairement voilà. Mais moi ce qui me surprend encore et toujours c'est la quantité de personnages qu'il y a dans les rues et ça c'est toujours aussi impressionnant voilà. Est-ce qu'il y a encore autant de bugs qu'au lancement parce que le alors jeu voilà, voilà. Est-ce qu'il y a toujours des visages avec juste des yeux qui flattent à l'époque et pendant les 6 premiers mois effectivement après la sortie du jeu il y a eu quand même énormément de bugs de clipping de force est de constater que même avec la dernière version avec laquelle j'ai joué puisque c'est une version à jour il y a encore des bugs j'ai même eu 2 plantages du jeu enfin voilà c'est encore un peu chaotique. La prise en main qui est parfois un peu pénible, hein, où le personnage va pas toujours où on veut. Moi, je me souviens il y avait des vidéos sur YouTube où ils compilaient des bugs. Il y en avait une qui m'avait fait rire où c'était une course-poursuite de calèche. Et puis, il y en avait une où les chevaux, ils étaient invisibles. Alors, ouais. Non, mais c'était futuriste. Hein. T'as différemment beaucoup de bugs qui sont encore présents, etc. etc. Mais moi, je trouve que l'histoire est toujours relativement intéressante. Puis surtout, voilà, c'est quand même un magnifique hommage à Paris, à la ville de Paris. Pardon. Et voilà. L'architecture est magnifique. Hein, ça, ils ont fait un travail de malade. C'est hyper plaisant à jouer, quoi. La carte est immense. Tu passes de l'un à l'autre. Enfin, voilà, c'est. Bon, après, voilà, ça reste encore un ancien Assassin's Creed avec des objectifs qui sont relativement toujours communs. Hein. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que rien que sur cette histoire d'architecture, j'avais vu les reportages à l'époque qui communiquaient beaucoup là-dessus de comment ils avaient développé le jeu, donc qu'ils avaient utilisé aussi des architectes, enfin des historiens et tout. Ça c'est ultra respectueux visuellement en fait de ce à quoi pourrait ressembler Paris en fait. D'ailleurs, ils ont détruit Notre-Dame pour pouvoir la reconstruire juste pour pouvoir faire comme dans le jeu, quoi. C'est génial. Encore une théorie complotiste qu'on va pouvoir relayer sur Reddit. C'est ça. Voilà, donc vraiment une bonne. Enfin, j'ai vraiment pris du plaisir à rejouer en fait, profondément. Ça m'a été très agréable. Est-ce que tu peux guillotiner les gens dans le jeu? Alors non, tu ne peux pas. Enfin, j'ai pas vu. C'est durant quelle période en fait? Donc c'est pendant la Révolution française, donc du tout début jusqu'à la fin de la Terreur en fait. Hein, d'accord. Donc tu croises des personnages historiques et hyper intéressants, notamment Donatien Batman, Alphonse. Mais Donatien Alphonse François Marquis de Sade pour vous servir. Tu veux le Marquis de Sade? Ouais, le Marquis de Sade qui est un personnage assez drôle d'ailleurs dans une séquence particulièrement gore où tu arrives. Enfin, bref. Voilà, tu croises aussi Napoléon, encore jeune lieutenant dans l'armée. Il faut pas historique non plus. Alors, c'est historique, l'histoire ça, revisitée sur Assassin's Creed quand même. C'est assez drôle. Petite question, mais, est-ce que le folklore est respecté quoi. Est-ce que dans cette partie-là d'Assassin's Creed, il y avait encore en fait le distinguo entre ces souvenirs en fait de ton d'un de tes ancêtres et tout ça, est-ce qu'il y a encore ça ou pas? Tu as une interaction avec le entre guillemets le présent, hein, mais tu vois pas ton toi présent en fait. C'est toujours dans la matrice. D'accord. Voilà. Et par contre, ce qu'il y a de génial aussi, effectivement, c'est que tu as plusieurs paris puisque dans le jeu tu peux voir le pari de la Belle Époque, hein, avec une section de mémoriel buggé en fait dans laquelle tu vas à la Belle Époque et Paris sous occupation allemande puisqu'il y a tu gravis la tour Eiffel en fait sous le feu de Luftwaffe et c'est vraiment pas mal, hein. Non mais graphiquement en plus c'est vrai que pour un jeu de 2014 ils ont ça. Ah non, il est encore super joli quoi. Ah, ils sont quand même vachement doués pour ça. C'est vrai que les rues c'est assez saisissant. Ah non mais le nombre de personnages.
Je sais pas, pour un jeu de lancement de console de nouvelle génération, c'était quand même ultra impressionnant à l'époque. Ah, puis même, bon, moi, le seul truc qui m'avait. Ils ont bien épuisé quand même là-dessus. Attends, ils partent à chaque fois sur une nouvelle époque. Hein. C'était combien d'ans de développement? À un moment, on critiquait beaucoup ça. Parce mais là, c'était un par an à l'époque. T'imagines, en un an, les types restaient un peu plus d'un an. Mais... Bah, non, c'est oui, puisqu'en fait, t'avais plus. Ah, c'est pas un développement d'un an. Non, c'était en décalé, mais je veux dire, c'était pas 7 ans de développement. C'est ça, c'est 2004 ans à peu près, puisque le début du projet date de 2010. Mais. Bon, moi, le seul truc qui m'avait choqué quand j'avais rejoué, quand le jeu avait été offert, justement, durant le drame qu'il y avait eu avec Notre-Dame, là. Et le seul truc qui m'a fait rire, en fait, parce que là, tu vois quand même qu'il y a eu un gap entre les jeux de 2014 et ceux de 2020, maintenant, c'est qu'il y avait encore toujours, en fait, quand tu montais, quand tu grimpais, quand tu fais ton petit Yamakasi, là, pour monter en haut d'un toit. Et en fait, le gars, il a arrêté. Et là, je te jure, et là, t'appuies sur le bouton A pour sauter. Et le mec, il te faisait un bond de 5 mètres. Mais directement en fait pour sauter d'immeuble en ligne, le mec il est plus balèze que Spider-Man quoi. Et le truc que tu sautais des fois, alors je sais pas si il y a un niveau de difficulté ou pas dans le jeu, je crois pas. Hein. Non. Et ben à un moment donné, je saute du toit, je tombe par terre, le mec, oh putain là, j'ai mal, je me suis tordu la cheville peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça fait, tu vois, ça casse un peu, on va dire, l'immersion. Du jeu graphiquement parlant, tu vois, c'est ça que je m'a toujours un peu gavé en fait avec l'Assassin's Creed. Voilà, les derniers notamment, c'est la différence qu'il y avait entre le côté réaliste, les graphismes super léchés, et le côté en fait poustique, gameplay assez simpliste, on va dire, du jeu quoi. Et un peu trop. Il adhère à tout pour expliquer à ceux qui nous écoutent, là, en gros, il adhère à peu près à toutes les surfaces, et au lieu d'avoir une succession de touches pour gravir tu peux pas te casser la gueule en fait, en gros, faire certaines choses. Il va sauter, il va donc c'est peut-être là où ce que tu voulais dire Snippy, c'est que des fois tu perds la main sur ton personnage et tu fais pas forcément ce que tu veux, c'est que oui c'est ça et puis s'accroche à tout ce qu'il veut, c'est un aimant le truc. Ça c'est le défaut principal. Bon il y a quand même des problèmes hein, au niveau du déplacement des personnages aussi, notamment à chaque fois pour entrer dans une putain de fenêtre c'est l'enfer quoi. T'as une touche qui est dédiée hein, qui est L2, t'as beau appuyer, il rentre pas, il monte au-dessus, il redescend, enfin tu as une perte de temps. Eh mais oh t'es à Paris, normalement t'es censé en fait faire une demande à la Paris pour ouvrir la fenêtre. Et puis, j'étais en train de regarder quand même, je suis quand même étonné, tu me dis qu'Assassin's Creed Unity, c'était 2014 et Black Flag c'était juste avant alors, c'est ça? C'était celui qui avait juste avant. C'était juste avant et c'était celui-là 2013. Qui était l'épisode transitoire puisqu'il était sorti ça, à la fois sur la deuxième génération et la nouvelle. Entre celui-ci et celui avec la guerre d'indépendance américaine, c'est ça hein. C'est Assassin's Creed 3, c'est le 3. Alors, Assassin's Creed 3, effectivement, celui-là, il se passe pendant l'indépendance américaine. Après, tu as Black Flag, qui, lui, se passe dans les Caraïbes, en fait. Hein, voilà, après, tu as eu Unity, et puis après, tu as eu le dernier qui se passe, enfin, avant la génération un peu du renouveau, qui se passe à Londres, et qui est... Syndicate Ouais, je crois qu'il a été bien critiqué celui-là. Ouais, qui était vraiment voilà une purge. Non, mais puis qui parce qu'encore Unity est relativement intéressant sur son histoire, bien qu'il y ait d'autres trucs qui sont un peu pénibles, mais c'est relativement intéressant et globalement le contexte, voilà, l'aude à Paris, etc., est vraiment intéressant. Autant Syndicate qui a suivi après était vraiment inintéressant sur l'histoire, voilà. Et pour moi, je le dis, je le répète, hein, le meilleur des Assassin's Creed, ça reste Black Flag dans tous les sens du terme, que soit même graphiquement, je trouve qu'il est. Et puis alors l'histoire était incroyable. Franchement, c'était vraiment. J'ai regardé quelques vidéos là en même temps. C'est vrai qu'il m'avait toujours fait envie parce que j'ai toujours un truc qui m'a fasciné depuis petit. Alors je sais pas pourquoi, c'était sans doute avec l'arrivée de la 3D aussi. C'est la capacité à faire de l'eau dans un jeu vidéo, enfin de la mer, retranscrire l'eau. Ah bah les gars, la mer, tout ça. Et là-dedans, il est vraiment bien fait. De jouer directement à Sea of Thieves. Oui, mais ce qui est hyper intéressant dans Black Flag, c'est l'histoire, quoi. Et l'histoire, elle est vraiment, vraiment, vraiment formidable, quoi. Et émotionnellement parlant, j'en garde vraiment un super souvenir, quoi. Quand j'ai fini le jeu, j'ai rien touché pendant 15 jours, je crois, pour m'en remettre. Je vais pas dire ça comme ça parce que c'est pas à ce point. Mais vraiment, Black Flag pour le coup. J'ai pleuré, j'ai quitté ma femme, j'ai tué mes enfants. Dans deux semaines. C'est ça. Il reste là, c'est ma paire, regarder le plafond. Mais Black Flag, vraiment, je regarde. Il se mettait un bordeaux de pirate comme ça. Ouais. Bon, on est quand même. On est quand même. Manger sa cracotte le matin. J'ai des visions de toi, Snippy. On est quand même loin de jeux comme Mass Effect ou encore plus haut, voilà, en termes de scénario, Last of Us évidemment, hein, puisque là on était vraiment. Sans que c'était le scénariste de Bienvenue chez les Ch'tis qui avait fait le jeu. Mais non, mais voilà, mais ça reste des jeux qu'on n'oublie pas nécessairement, quoi. Unity, je l'avais peut-être un peu oublié, puis j'étais vraiment bien content de le refaire. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus.
Moi, ça me donne envie de jouer à Black Frag, en tout cas. Mais, Black Frag, c'est ce... si j'avais un assassin à faire, c'était quand même celui. Black Frag, c'est quel objectif Ou Black Friday. Ou Black Frag. Black Friday, ouais. Putain, Black Friday qui génère Assassin's Creed. T'arrives au champ, et puis là. Ah, souvenez-vous le bon temps du Black Friday où on était des milliers dans les magasins à s'écraser les uns les autres. C'était complètement de s'écraser la gueule et tout, c'était magnifique. C'était le bon temps, hein. Il se crachait comme ça, j'étais là. C'est magnifique, quoi. C'est... Ouais. T'auras pas ma télé 4 tiers et tout. Pff, allez. Ah, n'importe quoi, je te jure. Bon, mais voilà. Ben, les gars, on a fait à peu près le tour pour ce qui est jeux vidéo. Donc, comme on avait un petit peu envie de vous parler aussi de cinéma, de séries, des choses comme ça, en ces temps de disette, c'est vrai que moi, je me suis replongé un petit peu dans les thrillers scandinaves. Notamment au travers d'une série sur Netflix que j'ai découvert vraiment par hasard qui s'appelle Meurtre au Valhalla, qui se passe donc en Islande. Alors évidemment, ce genre de film, série, etc., etc., je vous conseille absolument de le regarder en version originale parce que ça rajoute clairement un truc, quoi. Alors j'ai vraiment kiffé d'islandais, pour vous dire, hein, c'est vraiment une langue absolument incroyable, hein. Alors c'est pas tant qu'elle est gutturale, mais il y a des petits bruits, des petits sons, des aspirations, des bruits de langue, c'est une langue, elle est vraiment particulière. Mais oui, non, mais c'est vrai que c'est à appréhender, mais vraiment c'est impressionnant. Et donc voilà, bon, la série en elle-même est pas extraordinaire, hein. Moi j'ai remarqué un point commun entre toutes ces films, ces séries, etc., etc., hein, qu'on parle de Millennium, Meurtre à Valhalla, ou de ce que je vais vous parler un petit peu après aussi, que sont les enquêtes du département 5, c'est que dans ces thrillers là c'est toujours un puissant qui martyrise le bas peuple, en fait, hein, c'est toujours le puissant qui a son réseau politique, politico-policier, judiciaire. La corruption, tu veux dire, c'est ça, ouais, c'est ça, qui est protégé, en fait, et qui est protégé de ces faits, que ce soit des meurtres ou même des. Pas comme d'hab. Voilà, mais c'est très très marqué. C'est vraiment la thématique principale du thriller scandinave. C'est toujours ça. Hein. En tout cas, c'est islandais, hein, c'est ce que tu disais. Hein, alors, ça se passe à Reykjavik. Voilà, Meurtre au Valhalla est effectivement islandais. Ça se passe à Reykjavik. Je vais même pas vous spoiler l'histoire, c'est pas, voilà, mais le thème principal est là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est un, effectivement, moi je dirais l'intérêt numéro un de regarder cette série, c'est de la regarder en VO, hein, parce que la langue est vraiment exceptionnelle. Et puis deux, effectivement, c'est toujours cette ambiance sombre, glauque, voilà, ce que j'ai envie de dire, hein, puisque c'est quand même des pays qui voient pas beaucoup le soleil, hein, faut dire ce qui est. Qui froide, en fait, presque aussi, qui vous immerge encore plus dans un univers sombre, froid, qui n'a absolument rien à voir avec la réalité, puisque d'ailleurs on apprend aussi que les flics islandais ne sont pas armés, en fait. Non, il y a même la prison de Reykjavik, je sais pas si elle est dedans, mais ce que je suis allé en Islande, c'est limite une maison normale, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quasiment pas de crime dans l'histoire de la police islandaise. Ils ne se sont servis, je crois, en 50 ans, que d'une seule fois de leur arme. D'ailleurs, on voit un petit peu dans la série, à un moment donné où elle a besoin de son arme, en fait, ils ont quand même, les enquêteurs ont quand même, ouais, ils ont un coffre dans leur véhicule avec un code qu'ils ne connaissent pas, ils sont obligés de demander l'intervention, du central pour avoir le code qu'ils ne connaissent pas, donc pour accéder à leur arme et demander l'autorisation d'utiliser leur arme. Donc c'est vraiment très poussé. Bah, je pense qu'en Islande, les seuls problèmes qu'ils doivent vraiment avoir, c'est des problèmes d'ivrognerie, parce qu'effectivement, ben, comme tu disais, il fait tel. Je pense que tu dois sans doute le voir aussi là-dedans. Le climat il fait tout le temps nuit, donc il y en a qui font dépression. Enfin, qui font des dépressions. Je pense que ça doit. Je sais pas c'est si ça se ressent, cette espèce d'ambiance pesante, parce que ceux qui sont même allés en Islande ou à Reykjavik, c'est. Faut imaginer que c'est la plus grosse ville de l'île. C'est une plus grosse ville, c'est une ville grande comme quoi, comme Metz, 300 000 habitants, Metz, ouais, je veux dire, une ville comme ça. Et faut imaginer que c'est là où tout se passe. Enfin, tu peux avoir Björg qui habite à côté de chez toi, le maire de la ville, tu peux le croiser dans la rue ou même. Oui, le c'est un petit village, c'est même pas 300 000 habitants, je crois, qui habite. C'est peut-être même moi, c'est peut-être 300 000. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est en tout cas, c'est vraiment pas grand-chose. C'est des petites maisons, c'est une ambiance très particulière, quoi. Ouais, c'est, ouais, non, intéressant, c'est du coup. C'est ça. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une thématique qui est vraiment hyper intéressante. Et donc, de cette série-là, qu'il faut regarder, qui n'est pas non plus une grande série, hein, y a pas des. C'est combien d'épisodes? C'est 8 épisodes? Ouais, ah bah attends, je vois là. 8 épisodes, ouais, tout à fait, c'est ça, c'est 8 épisodes.
c'est vrai que c'est à voir, quoi, parce que si vous aimez bien ce genre de série, alors attention, hein, c'est toujours pareil, il faut avoir le moral pour regarder ça, parce qu'en général, c'est pas joyeux, mais si vous aimez vraiment ce genre de truc, un peu la Millennium, il faut vraiment, vraiment regarder. Hein. Voilà, et du coup, ça... Il y avait une série suédoise aussi, là, c'était quoi, The Killing, ou je sais plus comment ça oui, s'appelait. Oui, il y avait The Killing. Ouais, ça a été repris, en fait, aux US. C'était bien ou pas, ça ? Parce que j'avais entendu beaucoup de bonnes critiques, mais j'ai... Moi, j'avais vu que la version américaine, mais la version américaine était géniale. Moi, j'ai vu que la version originale, elle doit être encore bien. Il y a aussi les enquêtes de Valander, aussi, qui est une série anglaise, mais qui se passe en Suède, et qui est très, très bien, que je peux vous recommander également. Et puis, du coup, ça m'a replongé aussi, m'a beaucoup donné à rien vite de regarder cette série de films qui s'appelle Les Enquêtes du département 5, ou du département V. C'est rien du tout, ça. Voilà, Netflix, ça, je vous le conseille vivement. Il y a 4 films qui sont sortis. C'est tiré de bouquins. Il y a 8 bouquins, il me semble, qui sont déjà sortis. C'est vraiment génial. Ça se passe au Danemark. D'ailleurs, au passage, le danois est une langue beaucoup plus agréable à écouter que l'islandais. C'est vraiment super. Hein. Donc, c'est marrant quand tu parles de ça. Je me souviens en Islande, quand j'essayais de prononcer le nom d'une ville, j'en étais incapable. Il y a plus de consonnes que de lettres dans notre propre alphabet. C'est limite ça. C'est assez compliqué. Ouais. J'ai juste retenu, je crois, comme on dit merci. C'est pas je t'abluffe ou... Tac. Ah non, je t'abluffe, c'est en haut, Lordé, excusez-moi. Voilà, donc c'est une série que je vous conseille vivement. Voilà. Et les enquêtes du département 5, alors qu'est-ce que c'est exactement? Les enquêtes du département 5, c'est donc effectivement une série, pareil, une série de films qui se passe au Danemark, où on suit deux flics c'est des cold case en fait, hein, des enquêtes qui ont été fermées, enfin voilà, donc on n'a pas réussi à résoudre le problème, qui sont réouvertes. Et donc à chaque film, c'est des enquêtes, hein, donc toujours cette thématique du puissant, hein, qui oppresse les femmes, les pauvres, etc., etc. Et donc ces deux flics un peu torturés, hein, enfin un en particulier, le chef d'enquête là, qui est vraiment très très torturé, quoi, qui est très compliqué à gérer. Et pareil, on est vraiment plongé dans une ambiance. Les deux premiers épisodes sont super, le troisième est un peu moins bien, et le quatrième qui est sorti l'année dernière est vraiment vraiment génial. Dossier 64. Et que je vous conseille vraiment vivement, voilà. Et ça donne envie, parce que c'est parfait pour le confinement, tout ça. Mais exactement, hein. Et ça m'a même donné moins envie de lire les bouquins. Et d'ailleurs j'ai repéré qu'il y avait que c'était aussi disponible en audio et que c'était particulièrement bien lu. J'ai un podcast audio, tu veux dire, un livre audio, hein, qu'on peut écrire, ouais. Sur Amazon Livre, je sais pas, enfin bon, bref, voilà, et que je peux vous conseiller également si vous aimez lire. Et voilà, là il y a de quoi faire, parce que chaque bouquin fait entre 450 et 600 ou 700 pages, donc voilà, il y a de quoi faire. D'accord. Sinon, écoutez, de mon côté, moi, j'ai regardé une série, c'était pas sorti il y a forcément très récemment, mais j'avais regardé Mindhunter, la saison 1 et 2. Oh, oui. C'était pas mal du tout. Alors, de mes séries de tous les temps, quoi. Excellent. Je sais plus si c'est toi, donc Mais non, c'est moi qui t'en ai parlé. Oui, c'est toi qui m'en ai parlé, mais c'est fait par le réalisateur de Seven, hein, c'est ça? C'est David Fincher qui, effectivement, a la production. Et donc, pour expliquer brièvement ce que c'est, on suit un duo de flics qui, au départ, est, on va dire, dans le volet universitaire, et qui, du coup, étudie tout ce qui est la criminologie et les comportements, entre guillemets, des meurtriers. Exactement, ouais. Et on est dans les années, me semble-t-il, fin des années 60, à peu près, donc on a plus un contexte aussi hippie qui est autour. Et l'idée est assez simple, c'est eux, ils vont essayer de comprendre, d'anticiper, entre guillemets, la pensée des tueurs. Et donc, il va y avoir une forme d'empathie qui va se créer entre le personnage principal, on va dire, et les autres. Et ils vont mener toute une série d'interviews qui vont, entre guillemets, mettre à nu les motivations de tueurs en série, dont Charles Manson, d'ailleurs, qui ira pas voir, c'est assez rigolo. Ils ont bien trouvé le perso, je trouve. Enfin, l'acteur, tout l'intérêt, il y a toute une relation, pas épistolaire, parce qu'il y a quelques lettres qui sont envoyées, mais où ils vont se voir de temps en temps entre le personnage principal et un tueur qui est vraiment horrible, qui s'est chargé de sa propre mère et qui l'a décapité, qui a enfin bref, le mec sympa qui fait 2 mètres de haut avec des petites lunettes et qui s'exprime super bien. Ouais. Et c'est ça ce que j'ai trouvé cool dans la série. C'était le côté
Très souvent, surtout dans les films des années 80, tout ça et compagnie, la criminalité et les méchants, on les montre soit comme des imbéciles, soit comme des héros, mais on les montre souvent comme des déviants qui s'expriment pas forcément très bien. Ou il y a pas le côté forcément. Tu peux être très instruit et t'exprimer correctement et être un psychopathe. Et ils font le parallèle d'ailleurs dedans, puisque c'est une équipe de deux qui va avoir un troisième maillon aussi à un moment avec une nana qui fait de la sociologie. Et un quatrième aussi. Qui fait ? Aussi un quatrième. Et un quatrième aussi, mais qui est un peu moins utile. Donc elle fait de la sociologie et elle s'intéresse du coup, elle avait fait une thèse sur le caractère entre guillemets psychiatrique, maladie psychiatrique des gérants d'entreprise et PDG, sur le fait qu'en gros ce sont des psychopathes en fait. Et elle fait le parallèle entre les psychopathes qui génèrent des millions, voire des milliards, et qui sont chefs d'entreprise, PDG quoi, et des tueurs à gages. Et en fait, c'est vraiment toute l'époque où la pensée criminelle va, ouais, pas tueur à gages, pardon, tueur en série, toute la période où effectivement on va essayer de chercher autre chose que juste le démon et le type qui est diabolique par essence. On va essayer de chercher, c'est le thème qui est derrière. Est-ce que la société peut rendre criminel, jusqu'à quel point, quelle est la part innée, on va dire, si on peut parler de part innée. Et donc t'as ces relations entre les différents bureaux du FBI, ces différentes rivalités, avec une deuxième saison qui va se tourner principalement sur une enquête où ça devient peut-être un petit peu plus classique, mais où je trouve que c'est Ouais, mais qui est quand même palpitant. Et puis, c'est quand même palpitant, mais c'est plus enquête et moins intérieur. La deuxième, ouais, clairement. J'ai préféré la première saison. Mais après, d'ailleurs, c'est rigolo parce que le personnage principal, c'est ma copine qui me disait qu'il ressemble un petit peu à Macron. C'est vrai qu'il a un petit air de Macron. Moi, j'y ai pensé quand j'avais vu le pilote. Un petit air. Et c'est rigolo parce qu'on a envie de lui mettre des claques par moment, mais mais c'est vraiment rigolo, les petits dialogues qui vont avoir lieu entre du coup ces tueurs, quoi. Et puis tout est génial dans la série, quoi. Franchement, les acteurs sont géniaux, l'ambiance, la musique, le scénario, franchement. Ouais, j'aime bien les titres, quand on passe les titres là qui sont écrits en énorme là en grandes lettres et tout. J'adore aussi en gros caractères. Mais c'est à dire que ouais, il y a Fincher derrière forcément, voilà quoi. Ah, moi c'est une de mes séries en fait des 10 dernières années, il y a vraiment pas photo. Moi j'ai beaucoup aimé, notamment la première saison. Je suis un peu moins fan de la deuxième, juste par rapport en fait ce que tu disais, c'est la différence qu'il y a entre la première et la deuxième saison. Il me manquait en fait ce côté interview en fait des tueurs en série qui était extrêmement intéressante. C'était un truc de fou. Et l'acteur qui joue l'autre, là, qui a décapité et violé. Comment il s'appelle. Ah, l'acteur est génial. Enfin, il joue super bien. Il parle vraiment de manière posée et tout. Il a un certain sens de l'humour. Il y a des scènes où il t'invite à manger une pizza avec les mecs du FBI qui l'interviewent. C'est un gros nounours jusqu'au moment où il ouvre sa bouche et il explique ce qu'il a fait. Il dit, mais qu'est-ce qu'il... What? Attends, t'as fait quoi là? Yeah, séquence finale de la saison 1 quand même est grandiose. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Mais il y a, alors par contre, du coup, je les attends au tournant pour la saison 3. Alors, je suis pas sûr qu'il y en ait une. Je spoil pas, mais justement, c'est ça le problème. J'avais regardé sur Internet, sur Google, alors j'ai fait une rapide recherche et pour le moment, ce serait en suspens. Mm. Puisque David Fincher, il aurait d'autres projets en cours. Alors, je sais plus lesquels d'ailleurs, mais il aurait d'autres projets qu'il voudrait faire en premier. Et il penserait à ça plus tard. J'espère que c'est pas une manière détournée de dire qu'il y en aura pas, parce que c'est une série produite par Netflix. Le truc qui est dommage aussi, c'est que durant la première et deuxième saison, il y a un fil rouge par rapport à un autre tueur en série. Oui, Et ça, c'est le truc qui m'agace un petit peu aussi, c'est que je m'attendais vraiment à ce que ça enclenche la cinquième, quoi, et que, entre guillemets, cette enquête arrive en superposition des autres et que précédentes permettent de résoudre la nouvelle, qui serait un petit peu l'enquête impossible de... C'est un petit peu comme dans Trou Détective, quand saison 1, quand on a toute une... Donc, j'ai regardé à nouveau la saison 1, donc je l'ai vraiment fraîchement en mémoire, où il y a toute une série de meurtres et où le personnage principal arrive à capter tout ça, parce qu'il y a une ligne de disparition dans toutes les États-Unis, quoi, et où il y a les différences d'État et compagnie. Là, on retrouve cette idée-là avec probablement ce tueur, mais c'est pas mené à bout, ce qui est dommage. Et c'est le fil rouge, remarque, tu me diras. C'est le fil rouge. Du coup, s'il n'y a pas de fin, on se sentirait vraiment trahi, quoi, du genre. Incomplet. Après, c'est pas ça qui fait le succès de la série. Non, c'est sûr. Vraiment, tout ce qu'il y a autour, quoi. Ça, c'est juste t'as un quand même bonus. Envie d'avoir la suite, quoi. Voilà. Ouais, je conseille de la regarder, en tout cas. C'est Mais petite anecdote, d'ailleurs, au passage, c'est que l'acteur qui joue Charles Manson, est également le même qui joue Charles Manson dans Once Upon a Time in Hollywood.
C'est Cyril Hanouna, oui, il faut le préciser. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, ils ont pris le même acteur pour Ah bah c'est drôle parce que quand vous en parliez, je pensais à lui, j'ai vu le film là, le dernier Tarantino, et je trouvais qu'il était parfait justement. Alors s'ils ont repris le même, c'est super. Alors c'est pas le même Charles Manson que tu vois dans le, enfin c'est le même acteur, mais c'est pas la même facette, hein, puisque c'est... Ouais, clairement. Ouais, mais c'est le même. Il est bien joué aussi. Ouais, dans les deux cas, c'est vraiment pas mal. En plus, c'est marrant parce que c'est vraiment lancé comme quand ils commencent leurs interviews, le FBI évidemment est réticent, hein, parce qu'ils voient ça comme une forme de déviance que leurs agents du FBI se rapprochent émotionnellement de tueurs pour les comprendre. C'est vraiment une logique à laquelle ils adhèrent pas, parce que pour eux l'idée c'est assez simple, hein. C'est pas anticipé, c'est quand ça se passe, il faut réprimer, il faut punir, il faut pendre. C'est grosso modo l'idée de base de départ. Et là, quand on voit des facettes comme Charles Manson et tout ça, ça délivre vraiment quelque chose d'autre, quoi. C'est vraiment assez surprenant. Ça vaut le détour, je trouve. Ouais. Totalement indispensable pour moi, c'est ça. Exactement. Série. Ouais, moi, je la recommande vraiment, quoi. Alors, autre série qu'on vous conseille aussi, c'est Au Royaume des Fauves, ou Tiger King, pour la version originale. Ah, on fait une transition toute trouvée, là. Exactement. Et alors, Tiger King. Ouais. Il y a Guillaume et moi moi, j'ai commencé à le regarder. Alors, Guillaume, toi, tu l'as regardé plus que moi. Peut-être juste pour introduire. Oui, j'ai tout vu. Alors, juste avant, je vais introduire le sujet. Alors, juste avant, attention, parce que, comme je disais, j'ai vu, c'est un documentaire, mais un documentaire avec des gros guillemets, parce qu'apparemment il y a plein d'erreurs factuelles dedans et c'est très orienté. Donc regardez vraiment ça comme un divertissement et prenez pas que pour argent comptant. Moi j'ai tout de suite regardé qui avait produit Tiger King pour voir du coup de quelle partie c'était, parce que c'est une histoire en fait de zoo. C'est une concurrence de zoo avec tout un tas de choses qui vont se greffer autour. Je te laisse. En fait le sujet ça parle donc ça se passe en Oklahoma et ça parle d'une région dans laquelle en fait il y a plusieurs gérants. De zoos, en fait, dans lesquels principalement il y a des félins. Il y a d'autres animaux, mais c'est principalement des félins, notamment des tigres. Centaines, hein. Mais en fait, ouais, des centaines. Mais en fait, ça dépend. En fait, il y en a un qui appartient à quelqu'un qui s'appelle Joe Exotic, c'est son nom de scène. C'est le plus gros redneck que j'ai jamais vu. Mon épouse a passé son enfance et sa jeunesse au Texas et elle m'a dit que c'était du très sérieux redneck, donc c'est vraiment un gros redneck. Il faut taper Tiger King sur Google et voir un homme avec un mulet blond, des chemises qui croit vraiment à son droit de porter une arme, qui passe son temps avec, il a toujours son flingue sur lui. Et c'est assez particulier parce que du coup, dans ce fin fond de l'Oklahoma, on a donc ce gérant de zoo qui est gay et qui du coup, donc ça contraste hein, quand même avec son statut de redneck, ça fait un sacré personnage et qui lui du coup a son zoo dans lequel il s'occupe des tigres. Sauf que il en a beaucoup. Il les fait se reproduire à outrance parce qu'il sait que pour se faire du revenu, pour que les gens viennent dans son parc, il faut qu'il y ait des bébés tigres parce que tout le monde voudra se prendre... Quelle époque à la conf, tout le monde voudra se prendre en photo avec lui pour le mettre sur son Facebook. Les gens sont prêts à payer cher pour avoir une photo. Il y a un côté Jurassic Park, c'est qu'il y a des riches qui vont avec un ticket ouvert où ils vont payer $300, $500, et en fait, pour se rapprocher de lui. Voilà. Et en fait, lui, clairement, il traite mal ses animaux, ils n'ont pas de place, il les nourrit seulement avec les animaux morts qui sont trouvés sur la route parce qu'il a des fions. Ça coûte très cher hein, de nourrir des centaines de tigres. Il l'estime à un moment dans le reportage, c'est des centaines de milliers de dollars par an. Hein. Donc, t'es obligé de compenser à côté. Sachant qu'en plus, lui, tous ses employés, il les paye $100 par semaine parce qu'il emploie juste des SDF ou des gens qui étaient en prison, etc. Il les paye même pas $100 par semaine. Mais il y a cette ambiguïté quand même. Les mecs travaillent 15 heures par jour. C'est en fait, il y a cette ambiguïté qui est vachement bizarre parce qu'on te présente un redneck qui part de rien du tout et qui finit avec un empire et où son image de Tiger King, la chemise, tout ça et compagnie, de mec outrancier avec ses guns et compagnie, c'est son fond de commerce et les tigres aussi. Et où lui, il se défend en disant qu'il respecte ses animaux parce qu'en fait, en concurrence, ça va être tout le spectre du reportage, c'est qu'il y a une autre nana qui, elle, a des parcs animalier, qui est, soit dit en passant, quand même assez frappé. Hein, ouais, mais Arthur, juste attention, je dis, parce que toi, t'as pas fini le documentaire, mais il y a une grosse nuance quand même, c'est que l'autre en face, elle a pas juste un parc dans lequel elle les fait se reproduire, elle a un parc, en fait, dans lequel elle prend juste les tigres qui sont des tigres réfugiés. Parce qu'en fait, dans ces régions du sud des États-Unis, énormément de gens ont des tigres qu'ils ont apportés illégalement. Vraiment beaucoup. Et en fait, c'est un problème parce qu'il y en a plein qui s'échappent, il y en a plein qui s'en occupent pas, il y en a plein qui les relâchent dans la nature quand ils réalisent qu'ils ont fait une connerie parce que c'est plus un bébé tigre et que ça nous mange je sais pas combien de viande. Donc elle, en fait, elle fait pas se reproduire les tigres, elle fait que prendre les tigres des gens inconscients qui les ont relâchés
Et puis lui, il en vend, il y en a qui disparaissent, ouais. Ils en parlent. Et puis elle est à la tête d'une association de protection des animaux. Dans les deux cas, ce qui apparaît quand même aussi, mais de manière grossière, alors on sait pas, j'attends de voir la fin, mais on sait pas trop qui défend quoi. C'est pour ça que je voulais regarder qui était derrière ce reportage. C'est que les deux zoos respectent pas ce qu'il faut. Enfin, je veux dire qu'en gros, déjà, un zoo et des animaux, des félins, des centaines dedans, c'est pas top. Mais qu'en gros, elle, qui se pose comme respectueuse, entre guillemets, de la nature, est pas forcément plus respectueuse. Mais en fait, figure-toi que c'est faux. En face, quoi. Quand tu fais des recherches après. Mais en fait, mais c'est ça le truc. C'est le pour ça que je me demande qui a réalisé ça. Mais en fait, le documentaire donne l'impression qu'elle dit qu'elle protège les animaux, mais qu'en fait, au final, elle s'en occupe mal aussi. Mais en fait, si tu fais des recherches après, en fait, c'est faux. Bah, c'est pour ça que c'est pas un bon documentaire, honnêtement. Les qualificatifs de documentaire, et tu sais pas exactement si des fois c'est des acteurs ou si c'est pas des acteurs, si tout est filmé, si c'est des archives ou pas des archives, qui a financé ça et dans quel but, parce que Tiger King, on te le présente avec une version d'un mec plutôt cool. Cool, redneck idiot, certes, mais on te le présente quand même comme... il y avait une télé-réalité qui s'était lancée autour de lui, parce que c'est en gros le type qui fonctionne un petit peu comme s'il se considérait comme Dieu, c'est-à-dire en gros c'est un type qui accède à plein d'argent sans forcément être très malin. Mais c'est aussi ça, et en fait. Il peut faire tout ce qu'il veut, il menace les autorités, elle la menace de mort parce qu'il la suspecte d'avoir fait bouffer son mari par ses propres tigres. Il est tellement bête, et en fait ça parle de ça, de la rivalité en toutes ces personnes. Et d'ailleurs, j'étais déçu parce que finalement, ça parle très peu finalement de la maltraitance des animaux. Ils sont extrêmement maltraités. Ouais, ça, apparemment, ça, dans tout le documentaire, c'est vraiment sous-estimé, mais c'est terrible ce qui arrive à ces animaux. Et donc voilà, c'est sympa, mais bon, si vous passez à côté, ce sera pas la fin du monde. Ça n'a rien de dingue, mais ça se regarde comme un divertissement rigolant, mais en clairement se disant, faudrait pas se mettre à aduler Tiger King ou à aduler la nana qui est en face, parce que dans les deux cas, c'est rumeurland, hein. Je veux dire, à partir du moment où lui, il décrète qu'elle a tué son mari et qu'elle l'a fait bouffer, c'est peut-être vrai, j'en sais absolument rien. Mais là, on croirait les travers des États-Unis avec les chaînes de news qui t'annoncent ça et compagnie. Ouais. C'est pour ça que moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils appelaient ça un documentaire. Ça devient un peu dérangeant quand on commence à appeler du divertissement comme ça un vrai documentaire. Ils sont pas transparents non plus, parce qu'ils disent qu'il y a il y a plein d'ambiguïtés, parce que toutes les archives du télé-réalité, elles auraient été volées, elles auraient disparu, donc tu sais pas exactement ce qu'ils t'ont montré avant. Mais ça, c'est parce qu'ils sont cons. Ouais, bref, comment ils vous sont avez réussi à connaître ce truc là d'ailleurs, parce que... Moi, c'est juste par curiosité, j'étais sur Netflix et j'ai vu ça, et puis c'est un phénomène Netflix, honnêtement. Il y a pas mal de monde qui en parle, et apparemment il y a Sylvester Stallone, tout un tas d'acteurs. Tiger King, il se déguise en ce type de bonhomme qui doit avoir, à mon avis, des liens avec la Jet Set. Et en fait, il y a quand même des trucs qui sont très drôles à voir. Il est en prison maintenant pour 29 ans. C'est un taré, hein, c'est un taré fini. Mais ce type, il faisait carrément des clips de musique contre la nana qui était sa rivale du zoo et qui voulait fermer son zoo et se l'approprier aussi, se dit en passant. Mais où, comme il l'a suspecté d'avoir fait bouffer son mari par ses propres tigres, il a fait des clips qui sont devenus un peu des phénomènes sur Internet, où c'est pas lui qui chante, mais où il passe et où on la voit, il a embauché une sosie qui l'a fait manger son mari à des tigres. Enfin, tu vois l'obsession du bonhomme, quoi. Il a acheté son nom de domaine. Enfin, il a pas acheté son nom de domaine, mais Pet Rescue, ou je sais plus comment ça s'appelait. Il l'a utilisé en balançant juste un mot derrière, et il a eu un procès pour ça, même pas forcément pour le reste. Mais il y a une part de harcèlement, il y a une part de. C'est difficile à dire. Quelle est la part réelle de ce personnage, la part du show business. Il faut prendre ça avec des gros guillemets, hein. Ouais, j'ai l'impression d'écouter en fait une émission des Ch'tis sur NRJ. Ça pourrait être un reportage d'NRJ 12, c'est vrai. Mais c'est dommage parce qu'il soulève quelques questions intéressantes, mais tout reste en surface et très superficiel. C'est le documentaire à l'américaine, hein, je veux dire, avec des slow motion quand quelqu'un fait du vélo, donc on connaît la partie commencée derrière. Ça donne envie, hein. Voilà. Non, mais c'est rigolo à regarder comme ça. Tu te prends un petit verre de rhum et c'est parfait. T'es à fond sur les verres de rhum, toi, de toute façon. Bah écoutez-moi, pour finir, moi j'ai regardé une série là, en fait, qu'on m'a conseillé durant cette période de confinement. C'est une série qui est sortie en 2018, production Canal+, ça s'appelle L'Effondrement. Donc c'est une série qui est en 8 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun. Et comme son nom l'indique, en fait, c'est l'histoire, c'est simplement qu'est-ce qui se passait l'économie s'effondrait, mondiale s'effondrait. Et donc du coup, en fait, tu vois pendant 20 minutes... C'est toujours aussi drôle, ouais, d'actualité. Bah, en même temps, c'est clairement ça, pour ça que j'ai regardé en fait la série, parce que c'est
clairement d'actualité. Qu'est-ce qui se passerait directement si tout s'effondrait, quoi, du jour au lendemain? Et le truc qui est génial dans cette série, c'est que t'as vraiment J-5 avant l'effondrement, J+1, J+500, génial. T'as différentes périodes en fait de l'effondrement avec différentes personnes qui vont voir comment ça se passe autour d'eux, et puis surtout les points de vue en fait des personnes. À un moment donné, il y a un épisode en fait sur un mec qui est riche et qui apprend justement en fait avant tout le monde que ça se pète la gueule, quoi. Et donc du coup tu vois véritablement comment ça, et surtout en fait un truc que comment j'ai ils anticipent, tu veux dire, alors voilà comment ils anticipent. Et surtout en fait le truc que j'ai oublié de dire, c'est que cette vingtaine de minutes là, en fait c'est un plan séquence à chaque fois, c'est un plan séquence de 20 minutes, et c'est vrai que j'ai pas calé au début en fait parce que tu fais pas gaffe. Et le premier épisode, je me dis, putain, mais zut, c'est dommage, c'était vachement intéressant, et là, ça s'arrête au bout de 20 minutes. Et c'est un pote qui me dit, mais t'as même pas fait gaffe. Je dis, bah non, et non, pendant 20 minutes, en fait, la caméra, en fait, c'est pas possible de tourner un truc comme ça pendant 1h30, quoi. Et en fin de compte, c'est hyper intéressant la manière dont c'est réalisé. Et il y a un épisode, bon, je parle juste surtout de l'aspect technique, il y a un épisode, en fait, où pendant 20 minutes, en fait, ils commencent l'épisode en fait sur un bateau, ils enchaînent en fait, ils passent sur la terre ferme, après hop, ils repassent sur le bateau pour aller carrément sous l'eau, et après carrément, enfin c'est un truc de malade d'un point de vue technique. Toujours en plan séquence alors. Hein. Toujours en plan séquence pendant 20 minutes, tu t'imagines que les mecs en fait tout ce qu'ils ont enchaîné pour pouvoir en fait réaliser ce truc en fait de 20 minutes, quoi, c'est un truc de malade. C'est une série qui passe où, t'as dit ? Ça passe sur Canal et... voilà, quoi. Je suis désolé, mais pour ceux qui n'ont pas Canal, il y a d'autres c'est moyens. C'est vrai que toi, t'es abonné à Canal Plus. Ah oui, bien sûr, je suis abonné à Canal Plus. Ça. Enfin, j'ai un de mes potes qui m'a donné son compte Canal, voilà, si vous voulez, voilà, tout savoir. Tout et donc, savoir. Du coup, non, le truc qui est vraiment intéressant, c'est de comparer un petit peu avec ce qui se passe actuellement et de dire, bah, après, c'est pas non plus, c'est surtout, en fait, l'aspect, il n'y a pas de pandémie, hein, c'est vraiment si l'économie globale pétait, quoi. Et comment les on gens, va en fait. Bientôt. Bah, tu déconnes, mais franchement, t'as certaines choses. Comment les gens réagiraient, en fait, par rapport à ça, quoi? Moi, à un moment donné, toutes les structures sociales, elles s'effondreraient très vite. Et bah, t'as un épisode, par exemple, c'est carrément le gars, il arrive et il tient, en fait, une station de service. Et t'as les gens qui arrivent, qui ont plus du pognon, en fait, pour payer, ils commencent à faire du troc directement, t'es échangé, y a rien, l'autre. Bah toi, bah moi je peux donner du couscous, ok, bah t'auras 50 centimes de diesel. L'autre, il y a un flic qui arrive et qui lui dit, ouais, bah en gros, moi j'en ai besoin en fait, parce que c'est le commissariat qui a réquisitionné, sauf que le mec, bah il s'en fout, tu vois, de comment ça va se passer, c'est t'as quelque chose à échanger ou pas, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a surtout un épisode, et ça, c'est cet épisode-là, il faut avoir le cœur bien accroché, c'est sur, et franchement, on n'y pense pas, hein, mais sur les EHPAD. Et voilà. Comment ça se passerait si demain, à tous pète la gueule, et bah tu verras. Il y en a qui resteraient, mais. Tu regarderais l'épisode, et l'épisode-là, honnêtement, franchement, tout le monde se doute comment ça va se passer, quoi. Mais le fait de le voir et le fait de voir comment ça se passerait, comment les gens y réagiraient, justement, par rapport à ça. Comme tu dis, il y a des personnes. C'est là que tu réalises, ça peut s'effondrer assez vite, hein, si à partir du moment où les gens ont plus des biens essentiels, et où ils peuvent plus assurer leurs conditions d'existence, bah, la structure même de l'État, elle devient remise en question, et avec tout ce que ça va avec, quoi, ça peut vite s'effondrer, quoi. Honnêtement, cette série, vous pouvez la bouffer, donc, en 1h30, hein, donc c'est 8 fois 20 minutes, il n'y a pas de... Ah oui, en plus, c'est vrai, ça. Et franchement, je vous conseille vraiment de la regarder. Ça, moi, je l'ai enchaîné. Voilà, j'ai regardé ça. Tu regardes tous les épisodes, ça passe super bien. Et franchement, il y a certains épisodes, ils sont marquants, quoi. Mais vraiment, quoi. Et non, c'est vraiment une très très bonne série. Je recommande fortement. Française, Cocorico, pour une fois, c'est moi qui suis. Ouais, pas mais trop ça, d'habitude. Ouais, je m'en fous un petit peu de ça, tu vois, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment la qualité. Oui, non, mais je rigole. Cocorico, mes fesses. C'est très bien qu'Arthur, hein, de toute façon. C'est vrai qu'Arthur, mon drapeau de la France à la maison. Là, je suis en train d'agiter mon drapeau avec mon petit verre. De mon côté, j'avais seulement une recommandation, et c'est aussi une série, et ça va changer parce qu'elle est drôle. C'est rare que je regarde des choses drôles. C'est une série qui... Il a regardé les 20 séries. Voilà, c'est ça. En fait, ça parle d'une bande de colocs à New York. Ils ont 30 ans d'âge. Est-ce que vous connaissez? Non, ma recommandation, donc, c'est une série d'HBO qui s'appelle, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, qui s'appelle Barry, comme le prénom. Et en fait, ça parle d'un tueur à gages qui, un jour, lors d'un contrat, est amené à faire un contrat à Los Angeles. Et là, il rencontre une troupe d'acteurs. Et il a envie de devenir acteur, mais il est tueur à gages et il est empêtré dans ses affaires, mais il veut aussi absolument devenir acteur. Et c'est
tellement, tellement, tellement drôle. C'est une série, en fait, qui peut alterner des scènes très violentes avec des remises en question philosophiques du personnage et des choses mais tellement drôles. Et il y a toujours constamment ce décalage entre la gravité de ce qui se passe et juste le caractère absurde des différents protagonistes. Et ça donne en fait un mélange détonnant. Le format, en plus, est facile parce que chaque saison fait 10 épisodes. Chaque épisode fait 30 minutes, donc ça se regarde bien. Et ça me fait un peu penser au niveau du dilemme qui anime le personnage à Dexter, mais en fait, Dexter... Ouais, ça m'a fait sans... penser à ça quand j'ai regardé l'image. C'est ça, oui, mais attention, Google. Dexter, mais sans toute la couche dramatique un peu lourde qu'il y avait, où il se pose 1000 questions, etc. Tout, en fait, est plus droit au but, parce que c'est quand même une comédie noire, en fait. C'est de l'humour noir, alors, c'est du coup, comédie, ouais. Mais en fait, tout va plus vite, en fait. C'est ça, c'est un Dexter, mais en fait, sans toute cette couche où il se pose des questions pendant 10 minutes avec des ralentis où il marche. C'est vraiment, c'est ça. Donc, j'aime beaucoup ton résumé de Dexter. Non, mais je dis ça parce que c'est vraiment ça. Ça fera penser à Dexter, forcément, parce qu'il a ses dilemmes. Mais je vous le conseille vivement parce que qu'est-ce que j'ai ri à certains moments. En tout cas, ça a eu le prime time, ça a eu l'Emmy Award, pardon, du meilleur acteur dans une série télévisée comique, sachez-le. Donc, c'est l'acteur principal, j'imagine, Bill Hader, ou je sais pas comment on dit. Eh ben, en France, on peut regarder comment, c'est dispo où? Parce que moi, je veux bien savoir, ouais. Je sais pas. C'est moi, je l'ai pris sur Internet. C'est une série d'HBO, donc je sais pas comment. Ah, c'est HBO. C'est à OCS chez nous. OCS. Ouais. Ah, ça va être OCS. Ouais. Ouais. D'ailleurs, sachez-le quand OCS. Même. J'en avais profité pour regarder du coup. Ah oui, non, j'ai honte là. Ça, je vais pas le dire. J'avais regardé la dernière saison de Walking Dead avec. Non, tu n'en parles pas. J'en parlerai pas. Mais du coup, sachez-le quand même que sur OCS, vous avez un mois d'abonnement gratos pour essayer, ce qui est quand même assez cool. Ils le font pas tous. T'as tout en fait. Actuellement, en fait, t'as sur Canal en fait un mois d'abonnement pour tout en fait. Ah ouais, je savais pas. Ah ouais, ça vaut le coup si vous voulez tester un abonnement autre que Netflix ou. D'ailleurs, Disney, c'est arrivé chez nous ou pas encore là, Avec des beaux petits. Des belles petites découvertes, notamment certains films qui ont été censurés. Notamment celui avec Daryl Hannah à Splash. Splash, en fait. Il y a vraiment des choses intéressantes à regarder sur Disney+, mais on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Ouais. Tiens, moi, je terminerai sur quelque chose, peut-être juste comme ça, on aurait été complémentaires, et c'est vraiment très, très différent. On aura vu du thriller, des choses un petit peu drôles ou décalées, humour noir, ou même du télé-réalité avec Tiger King. Mais là, en ce moment-là, sur Arte, il y a aussi possibilité de regarder en streaming des choses qui sont passées par le passé. Il y a un excellent reportage sur Kubrick, qui est vraiment très très chouette, et où il y a tout un tas d'interviews de Kubrick par lui-même, où on découvre tout un tas de choses. Ça se regarde super bien, ça spoile pas les films pour ceux qui auraient pas tout vu, et c'est très agréable. Et deuxième truc aussi que je recommanderais aussi, qui est suffisamment rare pour être remarqué, sur Arte aussi, là, il y a un reportage sur l'Afghanistan en 4 étapes, et ça récapitule vraiment très très bien toutes les relations. Mais il y a, en fait, je dis que c'est suffisamment rare pour être remarqué parce qu'en fait, il y a tout un tas d'intervenants qui sont interviewés, de la CIA, comme en fait des talibans, tout un tas de personnes qu'on n'imagine pas forcément. Et est-ce que tu veux dire que tous les Afghans ne sont pas des terroristes, Arthur? Tout à fait, comme dirait, comme dans Team America, oui, c'est. Non, mais franchement, c'est super intéressant. C'est en 4 parties de 50 minutes. Ça se regarde presque comme un film. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est très nuancé. Et ces différents intervenants donnent un regard super éclairant sur des situations de crise et des situations aussi révolutionnaires, mais de version islamiste, entre guillemets. Donc, ça permet vraiment de comprendre pas mal de choses. Et c'est très bien fait. Voilà. Donc, je le recommande aussi, même si c'est très différent de ce qu'on a vu avant. Encore un truc très gai. Très gai, très joyeux. La guerre. L'horreur. La guerre, c'est beau. Bon, voilà. Mais merci beaucoup pour ces conseils. Et puis voilà, on arrive à la fin de ce podcast. On vous donne rendez-vous rapidement. Alors quand, on ne sait pas trop, mais on espère quand même que vous allez pouvoir profiter de cette période à la fois difficile, mais aussi un peu spéciale pour vous retrouver et profiter pour terminer tous les jeux que vous n'auriez pas eu le temps de commencer ou de faire. Voilà, et puis on se donne rendez-vous rapidement pour un nouvel épisode. Merci Benji. Merci à tous, et surtout restez bien chez vous, voilà, portez bien un petit masque, des gants, et puis profitez bien de ce moment pour jouer à plein de jeux vidéo, regarder plein de séries, bons films, lire des bouquins, et puis prenez soin de vos proches. Exactement. Merci Killer7. Mais de rien, prenez soin de vous. Et merci Oumaguma. Et pareil que mes amis, à la prochaine. Allez, ciao. Ciao. Bye bye.
me once or twice. I expect them.